prend des choses au con. Des choses que je lui ai dit, je lui dis là. Et c'est ça. Que je dis souvent à ma mère, que tu fais souvent les choses au con, faut arrêter d'être ambivalent. C'est comme ça que non. Quand il doit dire la chose à ma soeur, je l'appelle, je lui dis. Mais vous voyez maintenant, vous vous trouvez en train de faire là. On appelle le bac. On ne traverse pas le sang du frère parce que ça peut te causer une autre maladie qu'on appelle le bac. Et quelle maladie qui peut tuer? Parce que c'est une maladie qui se lie au sang. Et même ta génération suivante, ça suit. Alors je me pose bien la question de savoir que nous sommes dans quoi. Depuis, je suis en train de me poser cette question. Je ne peux pas mentir. Moi, le grand frère m'a bloqué. Jean-Louis m'a bloqué. Et c'est sa spécialité, il aime bloquer les gens. Mais parce que dès que tu ne parles pas dans son sens, il te bloque. Dans son sens. Il te bloque. Non, non, je peux pas aller dans son sens parce qu'il est dans le fuck up. C'est comme ça qu'il est. Il te bloque. Il est bloqué, il te fait comprendre. Il aime que tout le monde soit dans son sens. Il est dans le fuck up. Tout le monde est dans le. Moi, je vais dire une chose. Il m'arrive dans mes lives de lancer, de carrément me m'insulter à mes camés, ne réagis pas. Pourquoi ne réagis pas? Moi, mais je. Toi, camé, camé, c'est le fou du village. Moi, mais tu sois ça. C'est pas l'affaire là qui est en train de caler sur le coup de Fouquet, comme la blague. Donc. Voilà ça qui cale sur son cou. Pourquoi on te bouffe sans nom de Ndiangui, je comprends ça. Merci. Très bien. Les commentaires alors, c'est le hélélé. Depuis qu'il a appelé son fils, ça m'a dit, mon petit, si j'étais déçu, pardonne-moi. Coucou. Vraiment, la prochaine fête, là, il faut avoir les médias et bien, les dieux de famille. Viens, on va t'atomiser ici. Bipé, Tatana. Tu as vu, non? Elle vient déjà, c'est comme ça qu'elle fonctionne, Fouquet. Vous voyez, elle vient entrer dans le lac parce qu'elle sait qu'on est en train de la déchirer. Elle va maintenant venir prendre la sagesse des vieilles femmes pour tourner l'affaire. Faire comme si non, elle blaguait. Observons seulement. On observe. Bonjour, ma soeur, c'est comment? Bien, ça va. Et comme j'ai dérangé, je demande pardon à mes esprits. Et ça s'arrêtait. Elle est très ridicule, Fouquet. Fouquet est très ridicule même. Très ridicule, elle ne se respecte pas. L'affaire, si la concernait en quoi? Pour qu'elle retourne ça, pour qu'elle soit au centre de ça. Ça la concernait en quoi? Ça t'amuse. Ouais, elle vient comme si c'est la blague. Hein? C'est comme ça qu'elle fait. Regarde, VP ne la gère même pas. Elle parle VP ne la... Parce qu'on connaît son fonctionnement. Elle vient comme si c'est la blague. Pour venir flatter Compressor parce que elle sait qu'elle a voulu, elle a voulu livrer Compressor. Compressor a amené maintenant d'autres preuves. J'ai dit, j'ai abaissé les cœurs. J'ai dit que il n'y a que lui pour calmer cette histoire. J'ai parlé. Dès que j'ai fini de parler, tout le monde était content de mon direct. J'ai reçu les appels. On m'a envoyé la BM à mon pays. Ça n'a pas duré 30 minutes. Il a pris un live de la marraine de sa femme. Pour venir mettre, pour gâter encore tout. Voilà. C'est là que j'ai compris. Toi, tu as parlé en live. Attends, c'est important. Toi, tu as parlé en live. Quand le grand frère décide de lancer sa ligne de produits, il commence avec les pics après les États-Unis. Mon épouse, parce que moi, je ne suis pas souvent dans les patrouilles, mais votre belle-sœur fait souvent les patrouilles. Elle vient me dire, oh, yo, il y a un qui va arriver dans ton village bientôt. Je dis, pourquoi? On m'a bien lancé les pics. Un moment. Contre toutes les sorties. J'ai dit, hein, sérieux? J'ai appelé le grand frère. Je vous dis, ça c'est quelque chose que je ne fais jamais. On m'était dit là, je parle souvent avec toi, mais je ne savais pas. Mm-hmm. Non, je ne savais pas. Tu parles avec toi. Ouais. Donc ce sont les choses que je comprends. Mais il n'a jamais dit, hein? Jamais, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas faire ça. Je dis, j'ai appelé. Tiens, elle vient, il y a comme ça, ramasser son visage au sol. La honte, cette fille. Cette fille, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et que je te vois où tu es en train d'aller là. Si les produits sont les produits de ta femme, sors de cette histoire. Laisse ton épouse dans ce canal. Toi, reste dans l'autre et gère ton couloir. Parce que ce que tu es en train de voir qui va arriver là, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai déjà vu où ça va arriver. Et sans vous mentir, c'est exactement ce que j'ai vu.
qui est en train de me verser la saleté sur le corps. Cette fille, je ne sais pas. J'ai honte. Elle ne pouvait pas faire comme Lolo, que Lolo est resté ni vu ni connu. Elle veut toujours être dans tous les buzz de Facebook. Je vais demander la parole. Quand l'histoire a commencé, moi je ne comprenais pas bien. Et un jour, quand ça m'a fait part, elle m'a dit que regarde, les gens, tu sais, ton grand frère te détenait mes jambes, tu sais, quand ça ne donne plus, n'est-ce pas, on laisse ça aller nous aussi. C'est ce que j'ai fait quand elle était au Cameroun, elle a fait un live et tout et tout. J'avais dit à son grand frère, je lui ai dit, faut que tu sors d'où dans la fête, si. Il ne faut pas que ce soit même les pics, ne parle plus de ça. Compresso travaille avec Amélie. Et son gars, il parle avant tout. Nous tous, on cherche de quoi manger. Donc, ne parle plus de ça. Et il m'a dit qu'il a compris, il ne va plus parler de ça. Je vais t'expliquer, EVP. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a les choses que tu, les choses que tu ne te mêles pas. Chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Toi, tu es dans la politique. Et nous, nous sommes dans les choses de tous les jours, tous les jours. Mais c'est question sur sur nous tous. Toi, si il y a quelque chose caché derrière, et nous sommes là, nous les aides, même si on dit qu'on ne se mêle pas, on veut savoir la vérité. Je te dis, par rapport à moi, à ce que je pense, c'est que j'ai été confrontée à la même chose, c'est-à-dire j'ai été confrontée. Donc, n'importe qui veut se mettre à ma place, il y a des séquelles, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le doute, parce que ça m'a accusé d'avoir monté des personnes de lui faire du mal au Maroc il y a quelques années. Donc, Amé c'est même là, si prendre mes produits, mettre à côté, mais laver correctement, et bien, alors que je ne sais pas. Donc aujourd'hui, même si c'est vrai, moi, en tant qu'une ancienne victime, c'est normal que j'ai des doutes. C'est normal que je pense qu'il peut y avoir un truc qui n'est pas normal dans cette histoire. Parce que là, on parle d'aller kidnapper quelqu'un et lui faire du mal. C'est très grave. On a vu l'affaire de Karimo. Tu as signé sur ça, mais tu n'as jamais dit qu'elle l'a tué. Je suis désolée. Non, tu n'as jamais dit, alors qu'elle est au Cameroun, elle voyage, elle est partout. Tu n'as jamais dit que allez faire ceci. On est d'accord, non? Donc, bébé, il y a ce qu'on appelle les mots. Tu peux dire quelque chose. Et quelqu'un sort de l'intérieur qui fait du mal. C'est ça, c'est ça, Georgette, et quoi? C'est ça. La fesse qui va caler sur la tête de Fokwe. Vous allez voir, observez, hein. On est en train d'observer. Avant que Flo ne vienne entrer dans le live civil, Mbosapé est en train de l'allumer bien. Mbosapé l'allumer. Aujourd'hui, parce que hier, quand j'ai suivi le direct de Jean-Louis Messaïd, que non, la fesse qui va changer, j'ai mis les mains sur la tête. Elle dit, mais attends, on est en train de parler d'un truc sérieux, un drogué. Quelqu'un qui a fumé le départ vient s'asseoir, mais c'est pas crédible en fait. Quelqu'un qui vient de taper un bully ne peut pas être crédible. Aujourd'hui, j'ai parlé en journée et j'ai essayé d'appeler Jean-Louis Messam. Il n'était même pas content. Il dit que oui, tu m'as traité de tribaliste et tout, tout. Je lui ai dit que le gars qui est intervenu dans ton direct, mon seul problème c'est de savoir comment est-ce que ça peut virer sur la baronne Eniac. Alors qu'on a entendu parler de sa mère. Ton problème dedans, que où ça te concerne en quoi? Vraiment ailleurs, on veut savoir la vérité. Je lui demande que je veux avoir le contact du gars qui est intervenu. Parce que si quelqu'un intervient de là au direct, ça veut dire qu'il s'est manipulé au téléphone. Le Maroc, c'est un pays développé. Il me dit que je vais t'envoyer le numéro. Je lui dis que non, je préfère qu'une conférence. Je vais... Parce que je vais te dire un truc, je voulais les enregistrer. Parce que les gens comme ça, il faut les enregistrer. J'ai dit que je veux que tu fasses. Oui, comment elle tourne alors que quand elle était dans la voiture, ce qu'elle raconte là, c'est pas ça. Je veux savoir comment la baronne et l'autre, vous pouvez ne pas vous entendre sur Facebook, non? Chacun a sa personne, que même si on fait quoi, ils vont tous s'insulter. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça qu'il fait donc la belle conférence. Parce que je lui ai dit qu'on fait la conférence. Vous voulez qu'il soit toi témoin de ce que les gens là me disent? En partant, quelqu'un ne me paye pas ma connexion pour dire que ne vous mêlez pas. Cette histoire concerne tout le Cameroun. Ça ne concerne pas le village. C'est une histoire de tout le Cameroun. Parle, maman. Porte le Cameroun sur ta tête. Porte le Cameroun sur ta tête, maman. Porte le Cameroun sur ta tête. Alors, monsieur, vraiment, c'est un grand honneur, un plaisir pour moi d'être avec vous.
VP de Londres, c'est un frère, c'est un ami. Et je ne suis pas souvent dans le direct avec vous, mais je sais que vous êtes là, vous êtes mes sœurs. Notre devoir est de vous. Celui-ci aussi sort pour beaucoup bavarder comme ça. Et tout notre devoir, il est même pire. Quand il avait commencé ses directs, je l'avais appelé même une fois. Parce que Kango, ça déteste quelqu'un, cherche le renfort. Elle est partie si porter au Chipsy. Moi, ou VP, toi, Flore, ma sœur, tu me fais un voice contre ma sœur qui est là avec toi. Là. Et quand il y a un problème, je prends ce voice. Je fais écouter par le monde entier. Je vous aime. Non. Je suis un homme de paix. Non, pas du tout. Je pense que j'ai une femme chez moi. J'ai des enfants. Ce que je dois vous faire, c'est parce que vous êtes dans le game pour avoir des vues. Vous allez m'excuser. Le fait que le grand frère, parce que j'étais sur son direct, où il fait écouter les voix, où l'autre soeur traite ma soeur de mangeuse de. Il faut laisser ça. Le type, si c'est une. Je ne sais pas comment il peut le qualifier. Donc, tu n'as pas compris les voix. C'est lui qui a d'abord sorti les voix. Est-ce que c'est Messant le premier à sortir le bois? Le type, c'est venu chercher la Stamania ou quoi? Il est venu chercher la visibilité. Vous demandez pardon. Tu sens déjà qu'il est contre Messant. Et à la place de ce grand frère. Hey, maman. Et la mère de l'humanité. Je m'agenouille devant vous. Je vous demande pardon. C'est une chance que VP soit là. Ha! Il connaît. Cherche ta Stamania doucement, mon frère. Tu nous laisses tranquille. Laisse nos oreilles. Très connu, parce que je suis un peu... Mais tu es en train de te faire connaître. Je suis le responsable du ONG. On a toutes les preuves qu'on a rassemblées. Ah, t'as va là-bas avec ça. Tu n'es pas la police. Bassa, Bamou, Betty et tout ça là. Nous venons d'où? Nous sommes d'un même père et d'une même mère. Et ce papa-là qui est le président, il est la mère, il est le père. Si je tombe ici, on va vous dire, ouais, il y a Barakuda qui est tombé. Le type s'est dit que même Paul Biya sur les lives. On envoie. Oui, Adama. Soeurs, à vous qui êtes là. Mes soeurs, sur la toile, je m'agenouille devant vous. Pas bien le temps de comme ça. À la place de ce frère. Parce que si ça continue comme ça parle, notre frère risque d'avoir des problèmes. Permettez-moi de vous dire, je sais de quoi je parle. Je sais. Pepe connaît. Mais ça a été arrêté, hein. Il faut qu'il arrête. Oui, non, ma soeur, on va tout faire. VP est là, même s'il a bloqué VP, je n'ai pas sorti du tout. Vous avez vu dans faux quoi, il a changé. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête. Elle est prêt à mes sangs, elle a des pots. Pourtant, elle a parlé jusqu'à demander les excuses. Non, cette fille-ci. Ça fait mal pour sa femme à la maison. Faux quoi, ta faim, hein. Dieu sait ça. On ne te souhaite pas. Vision là, c'est bien beau, mais vous savez ce que ça peut nous. Ce que ça peut nous faire. Ça, donc, mes chers frères, mais sans qu'elle largué son, la soirée de son propre frère pour venir te soutenir à ta soirée, 1000 euros. Tu as déposé mes sangs au son de tout. Ma soeur, calme-toi. Parce que quand on commence à appeler là-bas, d'autres veulent intervenir, d'autres veulent rejeter sur les autres. Ça, c'est la manipulation. L'histoire est bien. Écoute-moi, grand frère. Oui. Comme tu dis que c'est la manipulation. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je vais parler au gars, parce que je n'ai pas compris. Je demande au gars là que qu'est-ce qui se passe. Le voice est un peu long. C'est la sortie de Flore qui m'énerve. C'est sa sortie qui m'a énervé. Donc, ma copine, tu sais, ma pensée, tu sais, quand il y a un sujet, tu peux avoir tes. En fait, je ne suis pas obligée de parler de la même façon que toi. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'aller dans ton sens. Je dois penser, c'est-à-dire que faire mes enquêtes pour savoir. Je ne doute pas qu'il a envoyé l'argent ou quoi que ce soit. Mon problème qui m'intéressait, c'est que pourquoi détourner sur la baronne Enya? Parce que ce sont les détracteurs numéro un de mes sangs. Et ça ne devrait pas aller dans ce sens. On veut savoir la vérité. Alors j'ai demandé de parler avec tes gars. Copine, 2 secondes, s'il te plaît. Les personnes qui viennent avec le nom de la baronne et Niat, ce n'est pas dans notre direct, c'est à l'inverse, c'est de l'autre côté. Exactement, c'est de l'autre côté. Et moi, voilà. Mon problème, c'était quand je suis le direct d'hier soir, compression, excuse-moi, quand j'ai écouté le direct de Hitsu, je suis tombée des nues. J'ai dit que, mais attends, la fête, tu t'avais dit quoi? Donc, on détourne maintenant ça sur la baronne et Niat. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai écouté les gars. Je voulais seulement qu'ils m'expliquent ce qui se passe. Et ils ont parlé. Oui,
Tu es devenu avocat, tu es devenu inspecteur, tu es devenu investigateur. Il faut expliquer. Non, grand, ce n'est pas Messan qui nous a envoyé. Vraiment, l'abbé Samé, c'est notre ami. On a l'habitude d'être ensemble. Et il nous a appelé il y a une semaine parce qu'il avait un problème. Et on allait le voir pour le problème. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'est comme ça qu'on lui a dit que, mais pourquoi tu t'attaques à notre grand frère? Parce que nous sommes tous les Bassa ici à. Au Maroc. En fait, ok, au Maroc. Et le gars dit que non, l'abbé Samé leur a dit que. Oui, c'est la baronne et Niak qui ont demandé, qui disent que c'est Messa. Qui les a. Je sais pas si tu comprends un peu. Qui accuse. Tu vous entends ça? Non, c'est pas possible. Non, tu entends ça? Écoute donc ce que les gars là ont dit. Que non, quand ils sont allés vers la baie, ça m'est passé, c'est leur ami, ils ont l'habitude de gérer les choses avec lui. Oh. Quand ils arrivent, c'est où la baie, ça m'est là, dit que non. C'est Niat et la baronne. Mais ça veut dire pas que je suis dans mon direct. Il n'a pas dit ça là-bas. Il n'a pas dit là-bas. Non, il ne dit pas ça. C'est que les gars là ont dit. Ce n'est pas une parole. J'ai dit que ah bon, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez écouter? Ils ont dit que non, on va aller voir ça. Mais on a rendez-vous. On va aller le voir aujourd'hui à 16h. Il va venir. Ah oui, le rêve, c'est ça. Attends. On a Samé au téléphone, on a Samé au téléphone, écoutons ça. Merci Elisa Tefo, merci. Bonsoir, Flore. Bonsoir. Bébé de l'entrée, le grand frère. Bonsoir. Je dis que Cindy Force. Dans la voiture tout à l'heure, jusqu'à demander les excuses. Elle dit encore ici, retournement de situation. Elle a déjà déposé mais sont en plein carrefour. Il y a des propos sur lesquels tu ne peux pas accorder du crédit. Parce que quand j'étais élu, je me dis à la baronne, j'ai eu très mal. Je me repensais à tout ce que j'ai subi. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je dois encore subir? Lorsque tu parles avec le grand frère Jean-Louis Messan et qu'il te présente Facebook les gens qui ont intervenu dans le live de Compressor et que ces personnes te disent qu'ils me connaissent très bien et que je les ai déjà appelés à. Non, le, ça là, ce n'est pas qu'elle donne son avis. Hein. Ce n'est pas qu'elle donne son avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'affaire, c'est Valérie Kalo ou Fanny et bon. Si elle ne se méfie pas, on va tourner l'affaire si ça va devenir son problème. Observons. On est là, on observe. Mieux est rester comme Lolo. On est là, on observe. Non? Vous allez tout venir commenter encore ici, là, que Dorcas, tu avais raison. Ces personnes disent qu'ils me connaissent et qu'ils vont venir à 16h chez moi. On fera un live où je vais démentir. Et toi, Flore, ma grande sœur, tu apportes du crédit à ces personnes, doutant de ma véracité des faits, parce que c'est normal que tu enquêtes sur cette affaire. Je suis tout à fait normal. Maintenant, ces personnes qui ont contacté le grand frère, moi, à 18h, j'étais au salon de coiffure pour me coiffer. Il y a un profil qui m'envoie l'identité, la localisation de la personne qui a intervenu dans le direct de M. Jean-Louis Messan en disant qu'il me connaît très bien. J'ai pour faire passer cette affaire comme une affaire montée. Alors, me connaissant très bien, sur la tombe de mon père et ma mère, cette femme que j'ai perdue ce jour où je t'ai appelé premièrement, j'ai pleuré devant toi. Je ne peux jamais mentir sur quelque chose que je connais que c'est vrai. Je préfère me couper avec la vérité. Qui est en train de parler là? C'est l'abbé Samé. Qui parle même? Je demande ici devant plus de 3000 personnes que si. Je mens par rapport à cette affaire. Je demande à M. Jean-Louis Messan d'aller me déposer une plainte s'il n'a pas commandité le fait qu'on me séquestre et qu'on confisque les téléphones. Et la question que je vous devrais poser à M. Jean-Louis Messan, pourquoi a-t-il peur de mes téléphones? Il est samé, il est gaveleux. Le concernant. Octroyé. Voilà de l'argent à. Voilà, jusqu'à dire que c'est une affaire d'escroquerie. Voilà, jusqu'à dire que c'est une affaire d'escroquerie. Je te réponds déjà, je vais déjà te dire que je suis désolée de mettre ta parole en doute. Mais quand que j'ai dans le cœur de quelqu'un, tu comprends avec Pédelonde, c'est lui qui sait ce qu'il vit là. Au Maroc, il ne suffit pas de donner une grosse somme à quelqu'un pour faire du mal. Tu comprends ce que je te dis? J'ai mis en doute parce que, par rapport au scénario, parce que je lui dis encore, ça mais quand tu as perdu ta mère,
tu as parlé avec moi, je t'ai dit que mes encouragements et tout et tout. Et je le dis encore aujourd'hui que quand une histoire arrive, on doit chercher à savoir, oui, peut-être tu es menacé, tu es au Maroc, tu es menacé. Je n'en dis combien pas. Que des gens arrêtent de dire n'importe quoi. Et moi, j'assume mes propos. Parce que les gars avec qui que j'ai entendu aujourd'hui, c'est quand on a mis sur la baronne qu'elle dit que non, mais ça, il y a un problème. Ça ne peut pas, on peut pas dire que sa mère dit que c'est la baronne et l'autre qui ont commandité. Et que ces gars-là, ils ont dit qu'ils te connaissent. Quand vous allez entre vous, les bassins là-bas, ils te connaissent très bien. Et moi, je te le dis, sa mère, l'histoire que tu as vécue, c'est toi qui es là-bas et c'est toi qui sais que tu vis. Moi, tu sais ce que tu as vécu et ce que tu as vécu, je ne peux pas connaître. Parce qu'on est sur les réseaux depuis. On se clash sans se connaître. On s'insulte sans se connaître. Et tu sais, j'ai été accusée de la même chose. Je ne peux pas tenir compte des commentaires. Parce que moi, qui suis la VP de Londres, j'ai été accusée de la même chose. Jusqu'à quelqu'un a témoigné. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est psychologiquement. On peut s'insulter, on peut tout se dire. Si je mets ta parole en doute, c'est parce que j'ai été victime. C'est pour ça que je mets ta parole en doute. Je ne t'en veux en rien. Je ne t'en veux en rien du tout. Mais si je mets ta parole en doute, Mais tu as vu comment il m'a lynché sur les VP de Londres. Tu as vécu l'époque où elle m'a quand même lynché que j'ai commandité la mort de sa mère. Tu te souviens, non? Donc c'est normal que je sois en doute. Ça ne change rien entre ta relation et moi, sa mère. Tu sais ce que tu as su Jean-Louis Messant. Tu sais ce que tu as échangé avec lui. Je ne doute à aucun moment qu'il a dit qu'on confisque ton téléphone. Et je ne doute à aucun moment de l'envoi de l'argent. Je ne doute pas à aucun moment. On peut dire à quelqu'un, va et tu as dit aujourd'hui que c'était faux. Tu as dit ça aujourd'hui, tu étais dans la voiture. Tu as dit que c'était faux. Arrête de tourner ta langue. Même en pensée que ces choses... Jusqu'à demander pardon à mes sangs. Aucun Camerounais ne pense à ôter la vie à l'autre. Quel que soit... Bonsoir, Didier Dia. On se lève, on va porter plainte. Jean-Louis Messant, il est accusé. Et moi, je lui ai dit, si tu penses que ce qu'on dit, c'est le mensonge, mais tu peux aller porter plainte, tu as tout le nom de sa mère. Vu qu'il a eu le temps, il a souvent eu à te faire des transferts. Il peut aller te porter plainte. Tu comprends l'embêtement de l'autre. Oui. Parce que nous... On parle sur les réseaux. Après, on va éteindre la caméra. Mais c'est toujours toi qui es là-bas. Ça ne va pas empêcher que s'ils veulent encore, c'est bien de dénoncer. Aujourd'hui, on sait que si t'arrive quelque chose, il y a une personne avec qui tu as des problèmes, qui a déjà commandité pour qu'on te fasse un truc. Tous les Camerounais sont courants. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Ça ne devait pas s'arrêter là. Ils sont là alors qu'ils ont dit qu'il devait faire un direct à 16h avec sa mère. On attend qu'ils sont peut-être en train de se préparer. Aujourd'hui, quand j'ai parlé et tout, le gars disait qu'il faut le transport. Le gars disait qu'il faut le transport. Il faut le transport. C'était sans dire. Les vrais escrocs. Non, attendez. Le gars dit qu'il est en 16, mais en même temps, il disait que. Mais il faut envoyer l'argent. Passer. Achat. Mais de l'ordre. Ça peut être un scénario d'escroquerie. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un vient dire que. Mais on va aller là-bas chez un médecin. Moi, il faut l'argent pour payer le transport. Mais attends, j'ai dit que, mais attends, vous parlez de mon argent. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le monsieur qui a parlé, excusez-moi. Petit frère, moi, c'est Barakuda. On ne se connaît pas. Mais là où tu es là, il y a les gars. Donc, ouais, il y a les gars Bamou qui sont derrière toi là-bas. Là, parce que. Mais les enquêtes, c'est depuis 3 jours qu'on a ouvert. Mon type, si c'est qui? C'est un enquêteur ou c'est qui? Il est accroché là comme ça dans le line, il ne veut plus quitter, maman, la star manière de ça. Le gars qui a témoigné. Il cherche la visibilité jusqu'à. Se capture, nos frères Bamoun, ils ont déjà maîtrisé le garçon là-bas. Ça, c'est le. C'est que je vais te demander, petit frère. Vous voulez la paix ou vous voulez toujours que ça se déchire comme ça? Vous voulez qu'on. Vous préférez quoi? Parce que ça va traîner les gens dans la boue. Et moi, ce que j'ai déjà demandé pardon à toutes mes soeurs sur la toile. Parce que mes soeurs sont offensées. Mes soeurs sont insultées. Mes soeurs sont dénigrées. Les gens qui sont demandés que Fleur de l'hypocrisie, je vous emmerde et je vous fous. Ma soeur ne leur répond pas. Hypocrisie pro max, faut pocher. Hypo pro max. Est-ce
est pour vous tuer ce microbe là. Mon petit, oh, tu écoutes bien ce que je te dis. Donc dans cette histoire, je t'en supplie. Il est où là, Elisa Tefo? Il cherche la Starmania, il est accroché là au live. Il est devenu inspecteur de police, il est tout. Il a l'ONG pour capturer les gens comme les Sam. De séquestration, que ce soit pour prendre ton téléphone, moi, on a dit de pour l'envoi de correction. Voilà, pour l'envoi d'argent, j'ai tous les preuves déjà, on a déjà tout, on a déjà tout vérifié. Vous n'êtes pas au courant, nous venons, on a tout, c'est vrai. Maintenant, le grand frère a une famille. C'est un Africain, c'est notre frère. L'heureux est humain. Ça pouvait être moi, Barakuda, à sa place. Vous devez me pardonner. Si il est orgueilleux et il n'arrive pas à demander pardon, il cherche toujours à se justifier dans le il est fautif à 90%. Les humains font partie des vérités cachées. Et je vais vous prouver par A plus B que tout ce qui se passe, il est auteur. Voilà. Je vous parle. Je vais vous prouver tout de suite. Alors, ce que je vous demande, mes frères et sœurs, je m'agenouille. Je vous demande. Tu essaies à l'église, dis donc. Tu t'agenouilles quoi? Tu viens voir les clasheuses sur Facebook, les haineuses comme les Mbossab. Tu dis que tu t'agenouilles. Tu crois que Mbossab, là où elle veut faire le mal à mes sœurs. Tu crois qu'elle est là pour de le lait? Ah. Pourquoi lui-même ne revient pas? Tu connais qui est Mbossab? Qu'on ne le connaît pas. Tu es qui? Tu connais même les blogueurs? Il faut venir si tu veux entrer dans le clash. Voilà les ténébreux. On sait que vous êtes les ténébreux. Vous avez dit. Il est le macabre de Messam. Ça se voit. M'insultez, mais vous me connaissez. Voilà, quand je suis monté dans ce live, si j'ai le privilège, l'opportunité de parler avec mes soeurs et toi aussi. C'était parce que. Déjà, moi j'ai commencé à chercher à désactiver cette histoire. Je réitère encore. Mon petit frère qui est au téléphone là, comme tous mes autres jeunes frères, il peut se lever, se nerver, se fâcher, me jeter même au sol, mais je ne vais pas répondre. C'est ça qu'on appelle grand frère. Le grand frère, c'est celui qui a les épaules larges d'encaisser tout ce que le petit frère doit et peut faire. Si lui s'est dit que son travail c'est de me manquer de respect, demain il y aura un autre. Qui sort les preuves, non? Agathe. Voilà pourquoi, sur la toile, je ne fais pas les lives pour clasher les gens, ça m'intéresse pas. Moi je suis à bout. C'est ça? Donc voilà. Je suis monté pour lancer l'appel au grand frère Jean-Louis. Profitez pour chercher la visibilité. Vous avez vu 5000 personnes connaître chez Mbossab, bien, elle va plus respirer. Vous avez encerclé Mbossab. Vous voulez acheter le problème. Okay. Le grand frère, tu as le devoir d'arrêter ça. Il y a l'argent qui arrive au Maroc. Agathe, t'allais pas, on suit aussi seulement, maman. On suit aussi. On fait notre part de socorre, on décrypte aussi. Vous devez arrêter ça. Parce que la personne peut pas témoigner, non, VP. La personne a dit que c'est. La personne a déjà parlé. Pour désactiver ça. Fais un live. Demande pardon à tout le monde. Voilà. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Si Flo et Compris ont pu faire la paix dans tout le monde, ça veut dire qu'il ne va pas laisser même avec la Palestine. Voilà. Voilà. Parce qu'on cherche encore à vous détruire. C'est vrai, mais c'est ce que tu dis. Mais c'est pour dire que nous sommes tous ensemble. Vous comprenez? Et je vais aussi rappeler un petit VP de l'homme. Tu sais, il faut que les gens comprennent. Que ce soit de mon côté ou le côté de compresseur, quand il y a une affaire qui se trouve sur la toile, je ne suis pas obligé d'être du même avis. Non. Elle n'est pas obligée d'être du même avis que. Comment je ne sais pas si tu comprends. Non. Aujourd'hui, je suis en guerre, c'est-à-dire j'ai décidé d'entrer en guerre avec Madame Poilu, qui est la fille qui vit avec Amère. C'est mon problème. Est-ce que j'ai besoin qu'un compresseur vienne lancer au direct pour parler? Non. Je sais que tu comprends. Je ne suis pas obligé d'être du même avis. Ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est vrai. Je soutiens Fokwe. Ça aussi c'est vrai. Elle n'est pas obligée. Je ne partage pas la même chose. Elle est témoin
chose avec sa mère. Je n'ai pas le même approche. Ah oui. Non, mais tu as le devoir d'avoir un autre alors, avec que tu as vécu une expérience. Non, en tout cas, les gens, alors je dis que oui, tu es hypocrite avec compresseur. Non, donc, compresseur et moi, depuis les années que nous sommes battus, personne de la diaspora ne nous a jamais dit faites la paix. Au contraire, les gens étaient déjà à me motiver, à la motiver. Aujourd'hui, ça vous fait mal, ça vous fait honte. Ça ne fait mal à personne. C'est toi qui as voulu venir. Tu l'as fait passer pour une menteuse. Arrête de faire comme si c'est les gens qui veulent vous détruire. Tu joues à double jeu. D'abord, vous les deux, vous jouez au chat et à la souris. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce n'est pas la diaspora qui t'a envoyé venir faire. Jusqu'à demander pardon à mes sœurs. Arrête d'être hypocrite. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Donc, quand les gens arrêtent d'appeler compresseur et lui dit que oui, Jack, fais attention à Flo. Tu vas tourner maintenant, faire comme si non, c'est la diaspora qui veut vous détruire. C'est ton Congo, ça est ton Soko. Ce que tu voulais faire à compresseur aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui t'a demandé de venir faire. Parce qu'il faut que nous enterrons cette hache de guerre, pardon. Parce que ça va excusez-moi. Vous savez, je préfère qu'on arrête. Non, non, non. Compresseur, ça t'est donné grand frère. Voilà, et les gens aussi. Les hommes qui vous attaquent parfois, il faut qu'ils comprennent aussi que... En tout cas, aujourd'hui, là, c'est la fête des lives. Maman qui va se négliger. Nous n'allons pas venir nous mêler dans vos histoires pour vous attaquer, pour bafouer votre... Sors dedans, sors dedans. Le truc qui va avoir de beaucoup, là, ça te concerne en quoi? Vous étiez sorti des années pour parler comme aujourd'hui avec BP de Londres. C'est que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses. Tu comprends, non, BP de Londres? Je ne vais pas entrer dans cette petite histoire du Congo-Sa du quartier. Parce qu'on sait que nous tous, ce qu'on fait derrière, ça tourne tous à bien nous retrouver. Vous êtes très grande femme. Ouais. C'est pour ça que je me permets de venir. Nous allons faire la paix. Et de vous dire, il faut que le grand frère Jean-Louis tue cette affaire. Moi, je voulais tuer comme lui. Depuis étant au pays, je voulais tuer comme lui. Il va tuer. Mesdames, croyez-moi, faites-moi confiance. Il va tuer. Pardon. Tu vas faire quoi, Messan? Tu vas faire quoi, Messan, pour l'obliger à tuer? Tu vas faire quoi, maman? Laisse le Ndjangui ici. Laisse le Ndjangui. Mais la paix ne veut pas dire que... Parce que je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont allées s'allier. Je vais te dire, quand quelqu'un t'amène au tribunal, il y a des personnes qui sont allées s'allier au grand frère. Envoyez les cœurs, non, mes gens. Vous voyez le live, même les cœurs. Tapotez, envoyez les cœurs. Faites vivre le live, envoyez les cœurs, pardon. Partagez. Je suis là et faites-moi confiance. Ces personnes-là qui veulent pas la paix, vous allez voir comment ça va marcher. Excusez-moi, je suis tout petit. Voilà mon frère qui est. Oui, elle est libre. Elle est libre. Elle n'est pas obligée de voir dans la même direction que le compresseur. Ça, c'est normal. Je suis d'accord avec toi, Jacques. Je suis d'accord. C'est ton frère, non? Tu peux lui dire de dire à cette fille. Envoyez les cœurs, pardon, pardon, pardon. On est peut-être à 125 personnes. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Merci, oh, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, mes gens. Partagez, non, pour que d'autres sachent qu'on est en live. Partagez. Partagez dans les groupes, pardon. Milliardon dit quoi? Quand on a parlé de kidnapping, ça va s'en toucher le couloir. Et je suis africain, je vais parler, j'ai compris ma soeur. VP est là. On va tout faire. Que ça se produise plus. Merci pour les cœurs, merci, oh, merci. Je parle bien à mon patron, à mon français. Merci pour les cœurs. Je vous aime beaucoup. Et vraiment, c'est un grand honneur. Dis donc, tu es un papa Congo, ça, laisse-nous ça. Et moi, nous allons parler au grand frère. Il va sortir, demander, s'excuser. Oui, raison, c'est vrai. Ça m'avait menti sur elle. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'elle se mêle à ça, qu'on tourne, ça devient son problème. Maintenant, elle est en train de me bouffer les Ndjangui. Les gens l'insultent partout. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Apprenez à dire la vérité. Apprenez à dire la vérité. Maintenant, elle bouffe le Ndjangui là par rapport à quoi? C'est un petit frère qu'on aime bien. Il aime clasher, mais bon, c'est un petit frère. Je pense qu'il a un bon cœur. Sa mère n'a pas un bon cœur. Quelqu'un qui vient tout mentir, qu'on veut, qu'on envoie les gens lui faire quelque chose. Ce n'est pas un bon cœur. VP, arrête ça. Arrête ça. Vous êtes habitué à mentir sur vos, sur tous les plans, sur vos débats politiques. Ça, c'est le socle. Ah, c'est son poème. Quel est ce type? C'est comment, non, Thérèse, mon général en chef? On dit quoi, ma chérie? Te claque les bisous, maman. Parce que VP, quand vous voyez là, VP c'est quelqu'un qu'il ne peut pas.
pas l'annoncer. Non, jamais. Jamais. Vous comprenez? Voilà. Tu connais New York, non? On se C'est le président de Bassa dans la diaspora que moi je connais. Ça m'en est plus crédible, c'est un malhonnête. Il n'y a rien qui peut sortir de la bouche de sa mère qu'elle peut croire. Jamais, cette chèque là. Il manque comme s'il respirait. Au gars, là peut causer la troisième guerre mondiale. Que Dieu nous reverse ce parfum de pardon. Voilà. Voilà. Le pardon ne fait pas oublier l'histoire, mais c'est la paix qui épouse la justice. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Pardon, je vais l'appeler. Merci. Dès qu'il va savoir que c'est toi là qui est dedans. Donc, Cass. Hein, maman? André, non, assis, on est en train de suivre le live. Non, regarde, hein. Ce qu'ils sont en train de faire là, hein. La seule preuve qu'on peut nous prouver que la capture d'écran là vient du téléphone de Messan, hein. Oui. Que la personne fasse le nom de Messan, que le numéro reste et qu'il refasse la capture d'écran avec le numéro, sans le nom de Messan. Parce que moi, j'ai deux téléphones Dorcas. Oui. Prends le deuxième téléphone. J'ai le nom de Dorcas. Je m'envoie les messages à moi. Demain, je fais la capture d'écran. Je dis que c'est toi qui avais envoyé les messages. Là, on va voir Dorcas. On va croire que c'est toi. Que la personne... Mais on s'est dit que son numéro, elle, que la capture a son numéro de téléphone. Non? Mais quand nous montre la capture, il y a son numéro. Qui poste ça, oui? Quel poste? C'est vrai que c'est dit. Pourquoi on manque seulement la capture où c'est écrit Messan? Ça, ce n'est pas une preuve. Docteur, je peux prendre ta photo de profil. Je sais comment ça se passe. Comment? Tu montes un WhatsApp avec mon nom, ma photo. Voilà. Et maintenant, la seule crédibilité, c'est qu'on efface le nom de Messan. Qu'on voit que c'est son numéro qui a envoyé tous les messages qui sont en train de montrer là. Donc, une partie d'écran avec le nom Messan, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas... Mais s'ils sont sûrs de leurs preuves, qu'ils aillent à la police, non? C'est ça. Qu'ils aillent à la police. Parce que si vous avez les preuves comme ça, là, lui-même, il peut partir à la police. Mais oui. Jeanne Owen, c'est comment? Ça va bien, dis-moi, maman. Regarde. Non. Oui. Il s'est sûr qu'il n'a rien fait, qu'il a porté, parce que c'est très grave. Il a porté plein. Il y a aussi ça, hein. Si c'est qu'il est innocent, il porte plein. Il y a la vérité dans ça. Il y a la vérité, parce que tu ne peux pas être un papa comme ça, tu payes les gens, quelqu'un d'insulter les autres tous les jours. C'est normal qu'on parle de lui n'importe quoi. Pourquoi mais ça ne porte pas plein? Qui porte plein? Il peut même porter plein d'amour, ça pour diffamation, non? Il ne veut pas porter. Maintenant, il oriente le sujet sur Niak. Pourquoi? Il peut chercher n'importe quel témoin. Il n'est pas crédible dans ça. Là, il a sa responsabilité dedans. Il ne veut même pas laisser que ça arrive loin. Parce qu'il envoie l'argent à ce garçon de sa maison. Donc, ça me fait. La musique, non. C'était pas pour insulter, c'était pour tuer. Ça me peut même dire n'importe quoi de lui. Parce qu'il n'est plus crédible à ce moment. Il y a quelqu'un qui a mis. Il n'y a pas de musique ici, Nanesh. Il n'y a pas de musique. Oui. Peut-être c'est là-bas chez toi, peut-être c'est ton téléphone. Tu suis un autre live. Ouais, ça a envoyé les gens dehors. Non. Moi, je n'ai pas moi la musique de mon côté. Non, c'était bon. Attends, je reprends encore Nadège. Oui, excusez-moi. Oui. Tu sais, ce qui me fait trop rire moi, dans cette histoire, tu comprends un peu? Ce qui me fait trop rire dans cette histoire, tu comprends un peu? Le monsieur qui dit qu'il est de, si c'est quoi là, tu comprends? Il est contre que l'homme insulte la femme. Hein? Quand les sangs insultaient les femmes auparavant. Voilà, c'est ça qu'il dit qu'il est hypocrite. Quand tu viens là, tu sens bien qu'il est incontentieux avec mes sangs. Tu vois la haine qu'il y a dans son ventre.
Non, on finit. Pourquoi ils sont toujours en train d'interpréter le fait que je parle avec mes sangs? Hein? Le fait que je sois passé dans le direct de mes sangs, même si on est allé au tournoi, ouais, même si on a fait quoi que ce soit, aujourd'hui, c'est moi qui parle pour mes sangs. Hein? Pourquoi eux, ils doivent être ensemble alors qu'ils ont, ils ont fait des coups jusqu'à aller au niveau de la bagarre? Ah, ils oui. ont donné rendez-vous. Mm-hmm. Hmm? Maintenant, Foucault dit que personne ne les avait tenu la main pour les arranger. Ce médecin, le jour où il entre en contact avec Emma Pampès, tu comprends, hein? C'était à la soirée de Cécile Dema où il avait dit qu'il voulait mettre la paix entre elles. Je me rappelle. Sauf que maintenant, entre eux, ça s'est gâté. Tu vois. Et Messang a fait un choix. Pourquoi est-ce que ça les choque? Parce que Messang m'a amené au tribunal. Quand Messang m'a amené au tribunal, ils ont applaudi, maman. Ils étaient contents, non? Ils ont applaudi bien même. Hmm? Ils ont bien applaudi. Pourquoi aujourd'hui? Mais ça s'est insulté avec beaucoup de gens. Ils se sont insultés. On ne dit pas que Messan n'a pas sa part de... Oui, j'étais. Allô? On ne dit pas que Messan n'a pas sa part de responsabilité dans cette histoire. Il a sa part de responsabilité. Mais celle que vous êtes en train de prendre comme un ange, qui est ma papa, est un démon habillé. Maman, tu as vu l'hypocrisie de ça? Foucault n'a pas fait un live, je n'ai pas vu le live là où jusqu'à elle a demandé pardon à mes sangs. Elle revient encore maintenant déposer mes sangs. Comment se fait après Dorcas, tu sais, c'est eux qui voient parce qu'ils sont dans leur game comme ils ont l'habitude. Non, nous qui avons les cœurs sensibles par rapport à ce genre de situation, tu comprends un peu, non? On ne gère plus ça. Messan, j'ai dit à Messan et je le redis encore dans les directs que va c'est faire tout. Une citation directe. Ne fais pas la citation directe sur ma personne. Et tu laisses le vrai problème. Fait. Va faire une citation directe. Maintenant, ils sont en train de tribaliser. C'est le problème de X et de Z. C'est monté, c'est descendu. Les Bamlékés sont d'un côté. Les Bassas sont d'un côté. Depuis la nuit des temps, il y a jamais eu la guerre entre les Bassas et les Bamlékés. Tu comprends? Aujourd'hui, ça a commencé à cause de quoi? À cause de leur manipulation. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont organisé sur les réseaux sociaux. Il y a toujours eu la guerre entre les Bétis et les Bamlékés, jamais avec les Bassas. Mais aujourd'hui, cette histoire en train de vouloir séparer des gens. Et quand je les entends parler, juste à dire que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? La sorcellerie, pourquoi? Parce que deux personnes parlent ensemble. Elles qui parlent avec mes sœurs, ils ne se sont pas insultés. Bien même. Ils ne se sont pas traités de tous les noms. Qui a encouragé mes sœurs à aller me faire une citation directe? Ce n'est pas toujours la même personne. Celle avec qui j'ai mangé, elle pouvait dire que non, ne fais pas ça. N'est-ce pas, elle est sortie. Elle était la première à dire que on va te mettre en prison. Pourquoi mon passage auprès dans le direct de Missang les choque? Donc c'est ça qui a fait qu'il ait cette organisation de malfrats. À un moment donné, on va même croire à qui? Parce qu'on veut faire les investigations. Mais ça connaît ces fumeurs de Mbanga où? Entre guillemets. Mm-hmm. Tu comprends? Mais ce qu'ils sont en train de faire, juste à un monsieur dit, vous savez ce que Messan pense? Vous savez si Messan a déposé plainte? Vous savez ce que Messan peut avoir? Vous savez ce qu'il est en train de vouloir faire? Qu'on le laisse un peu, je dis, il n'est pas le seul démon. Tout le monde est démon. Sans exception. Que celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, lance la première pierre, quelqu'un d'autre la ramasse. Et là, on saura que tout est sain. Il y a des filles qui m'ont fait, il y a des gens qui m'ont fait du mal sur les réseaux sociaux, je les ai pardonnés. Qui ont fait pire.
Ce n'est pas parce qu'on m'a amené au tribunal. Je les ai pardonnés. Donc, je vais être ennemi avec quelqu'un tous les jours et qu'il lui arrive quelque chose, que je sois ma conscience me paye. Faut que tu aies un problème avec moi. Ton problème, c'est avec c'est pour Coco. Pleure Coco doucement. Ton problème, c'est la manipulation. Et tu n'es pas avec cette fille de ma pampesse. Parce que ce qui est sorti de ta bouche aujourd'hui, Dorcas, dans il y a même compresseur, avant qu'un nana la compresseur la framponnait. Voilà. L'hypocrisie qui sont en train de faire. Et ce qui est sorti de sa bouche, tu comprends? Jusqu'à dire que glutation, fais attention, on est en train de te. Voilà. De et puis il y a un plan d'argent. On est en train de te sortir de l'argent. Anna, le voilà. Plan d'argent. Ngosap. Si tu n'as c'est pas Ngosap qui était indexé dans ça. Pourquoi est dangereuse, hein? Elle si est très dangereuse, cette fille. Si ça si fait une jalouse de ton plan de flore, elle est de Ngosap là. Voilà. Si tu n'as pas de preuves, pourquoi sortir et vouloir accuser quelqu'un d'autre, tout en sachant que la personne est innocente. Parce que là, un temps elle innocente, méchant. Un temps elle innocente, l'abbé Samé. Et on vient dire que ce PD n'a pas un mauvais fond. De tous les hommes des réseaux sociaux, là, la personne qui n'a pas un mauvais fond dans tout, c'est parmi tous ces gens-là, c'est des Komamogou. C'est pas parce que j'ai de l'estime pour lui. Il n'a pas un mauvais fond. Mais ce PD là a passé son temps. Je n'ai pas entendu quelqu'un lui dire que n'insulte plus une maman ou une grand-mère. Tout le monde l'encourageait. Il était la star de l'heure. Non, même ce soir. Mais j'entends que Messang doit demander pardon. Même si Messang veut demander pardon, c'est pas. Il demande d'abord pardon. De demander pardon. Il peut demander pardon par rapport à son comportement qu'il a eu les audios qu'on a entendus, mais pas par rapport à ça. Attendez, mais c'est quand même quelqu'un Nadège, qui a ses enfants. Nadège, non, ma soeur, je ne te coupe pas. Oui. Mais ça a dit que les Bamileke sont les Tchoboupot. Ça, c'est un mot qu'on a toujours entendu. Et quand tu traduis même ça, nos parents disaient plutôt que c'est les quoi, qui sont les Tchoboupot. Donc, c'est vrai chez que nous, les parents ont dit que les Bassa, c'est les Ngadou. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas que c'est une insulte, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une insulte. Donc, c'est pour ça que je dis que qu'on arrête de faire comme si Messara dit quelque chose de nouveau. Les Bamileke sont plus tribalistes que les autres tribus. Moi, je suis désolée. Hein, parce que quand tu vois, tu suis ces Bamileke sur la toile. Ils sont bien tribalistes, mais on ne voit pas ça. Oui. Mémé, c'est pas grave. Comment on appelle la baronne Suisse a dit qu'elle va déposer une plainte. Qu'elle voilà. Dépose une plainte en bonne et due forme. Parce qu'il faut qu'on soit au courant. Si Messang veut déposer une plainte, on ne connaît pas, on ne sait pas. Il dépose une plainte. Parce que l'histoire qui est sur les réseaux sociaux, là, ça ne concerne pas seulement une personne. Hein. Ça concerne tout le monde entier. Et je ne fais que le dire. Voilà quelqu'un qui sort, qui dit qu'il est si c'est de l'eau, si c'est de l'eau, n quoi. Mais il n'a pas dit dans ce direct. Il parle non avec attends un peu, mémé. Il croit que c'est pour ça. Il croit que le attends un peu, attends un peu, Doc. Manqué. Attends un peu. Il n'a pas dit au PD là que. Il n'a pas dit. Des femmes. Et il vient mentir que la première personne à mettre les audios, que c'était méchant. Est-ce qu'on peut être aussi hypocrite comme ça? Est-ce que c'est méchant qui était la première personne à mettre les audios? Non, c'est pas méchant. Mais il a beaucoup insisté même pour que Messang fasse son premier live pour sortir même un audio. La première personne qui sort l'audio, c'est qui? Samé. Voilà. Et personne n'a dit là-bas pourquoi le monde est si injuste et aussi machiavélique. Elle connaît que c'est le Tchélé là qui a sorti le premier voix. Elle ferme la bouche, elle ne dit rien. Même Gossa connaît que ce n'est pas Messang le premier. Elle ferme la bouche, ça la convient. Facebook est risqué. Facebook, c'est, oui, c'est trop très dangereux. C'est trop risqué. Fais attention. Vous qui embrassez tout le monde dans la vie réelle, là. Moi, c'est virtuel. Pas de vie réelle.
Parce que tout le monde à Facebook, les dents sont comme les tentacules, comme ça, prêts à te déchirer, Nadège. Tu as vu comment ça m'a ta fille et ton enfant. Je vais te prendre. Donc, je vais te prendre un exemple. Qui Messang n'a pas insulté ici? Messang a insulté qui ici plus que le président Amouch? Tu as vu Amouch sortir? Tu penses qu'il n'est pas au courant de tout? Tu l'as vu même mettre un poste ou faire... Ni vu, ni connu. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi ils ne disent pas là-bas que Messang demande même les excuses à Amouch? Parce que moi, ma bagarre, c'est que Messang demande pardon à Amouch de l'avoir offensé. Attends, moi, je vais te poser la question, hein, dans les premiers minutes. Il va demander pardon à Amouch sur quelle base? Je crois qu'il faisait les guerres de couple. Non, je vais te répondre. Il a demandé pardon à Amouch. Moi, je n'ai pas de droit à Amouch. Mais je veux comprendre juste sa démarche. Moi, mes yeux de ton âme, non, je dis... C'est pas parce qu'il est au sol que vous voulez qu'il va se ridiculiser. C'est pas parce qu'il est au sol qu'il va accepter se ridiculiser aussi. C'était des bonnes guerres. C'était des bonnes guerres. C'était la manière de couple. Dorcas, moi je dis bien que mon vœu à moi, je suis en train de comprendre, c'est que s'il y a des gens qu'on doit demander, que Messang doit demander des excuses, tu comprends un peu, il y a... Pourquoi? Pourquoi tu dois demander des excuses à Non, laisse-moi, je dis bien si... Et maintenant, je suis en train de te répondre parce que quand on dit qu'il insultait les gens, il insultait les femmes. Tu comprends? Oui. Tu comprends? Il a insulté, il s'est assis sur Amouch et avait la même bande pendant et des mois et des mois. Quand tu crois qu'Amouch était sain? Amouch. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ton cas qui est avec. Non! Non, c'est pas parce que ça cuit sur mes sangs qu'il doit une fois se coucher au sol. Non. Je suis d'accord. Il se ridiculise jusqu'à ce niveau. Moi, je ne vois pas les excuses que tu vas demander qu'il a demandé à Amour. Maman, c'était des bonnes guerres. C'était la manière bon, de chacun étudier les armes. Amour aussi a les gens. Tu veux dire quoi? On est parti sur les gens. Ouais, Dorcas. On est parti sur le mot. Dorcas, on est parti sur le mot excuse. Tu ne dis pas ça, Amour, pas de manière des excuses à mes sangs. Fini. Laisse-moi finir. Chacun donne ses raisons et les concernés ne sont pas obligés d'accepter. C'est comme nous, on avait besoin des audios. Tu vois? Ils n'étaient pas obligés d'accepter. Tu es en train de comprendre un peu? Voilà. Moi, par exemple, je ne demande pas qu'ils me demandent des excuses. Parce que chez nous, un grand frère ne demande pas pardon. Tu es en train de comprendre? Chez nous, mais toi, tu ne peux pas demander pardon à son mais petit quand... Ouais, laisse-moi un peu, non, Dorcas. Laisse-moi un peu. Moi, je dis, comme on a dit qu'il demande pardon de l'autre côté, moi, c'est de ça qu'on parle. On parle de pardon là depuis un mémé. Je pense que là, on est en train de s'expliquer. Qu'il demande pardon à tout le monde. Tu comprends? Mais... On ne dit pas que quelqu'un lui demande pardon. Et je dis bien, si il veut demander pardon, s'il y a quelqu'un à qui il doit demander pardon, c'est Amouch. Pourquoi est-ce que je mets le nom d'Amouch? Parce que il a maintes fois lavé Amouch ici, le traité de tous les noms. Fait qu'on appelle la CAF, Amouch a souffert, fait qu'on appelle la CAF, monter des coups entre eux là-bas. Tu comprends? Pour aller toucher jusqu'au truc de Amouch, la vie privée d'Amouch. Même si ce n'est pas lui, on va dire que c'est lui. Naga de la parole, on a une dame là qui vient d'arriver, qu'elle nous dise aussi. Vas-y, ma chère. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir, maman. Oui, je suis le live. Comme j'aime bien vos débats, je suis en paix. Merci d'être en paix. Il y a les débats qui se passent là-bas, de gauche à droite.
Parce que hier, dans le direct d'Amer Kamer, peut-être je ne retrouve pas ça, où il avait appelé Samer, où Samer disait que les gars-là ont appelé Messan. Donc, comment on l'appelle, Samer connaît ces gars. Il nous joue. Il joue sur tout le monde. Samer veut jouer à son ACR pour avoir son ACL d'Asie aux États-Unis. Il faut donc que ça soit médiatisé pour que ça parle. Il n'est pas bête. Il est en train de nous jouer. Il connaît ces gars-là. Ça me connaît ces gars-là. Ce sont ses amis. Mais tu parles de gens, madame. Qui sait quoi? Qui union comment ça opère, dis donc? L'autre, la plus, ce n'est même pas d'accord. Non, la dame, si elle a raison, au moins à 78%, je crois qu'elle a raison. Il veut faire un tapage. Un peu comme Shakira avait parlé, son histoire qu'on l'avait tapé. Des choses comme ça. En ramassant le chapeau. Donc, aux États-Unis, là, il faut médiatiser ça de ton côté là-bas pour dire qu'il manque. Ça, mais elle fait la même chose aussi à Flore. Ici, il y a de cela 3 ans. Oui. Ça m'a fait la même chose aussi à Flore. Et Flore s'est rappelé de ça hier que c'est les mêmes gens-là. Pourquoi c'est toujours les mêmes gens-là? Si j'étais mauvaise comme eux-là, je prends tous ces lives qui l'insultent, les gens-là. J'envoie ça aussi des migrations avec mais, son nom. Mais attends, mais donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Est-ce que tu as... Non, je ne suis pas méchante comme ça. Non, d'accord. Laisse, il se cherche. Il se cherche. Il se cherche, un enfant. On ne peut pas bloquer un enfant. Je vais regarder, je vais demander à ma nièce qui est aux États-Unis, elle me donne le site de l'immigration. Là, je lui envoie même si elle envoie tout ça là-bas. Tout ce qu'il a formaté là, c'est pour montrer, avoir... Il va payer d'une manière ou d'une autre. Oui, laisse. Oh, c'est les États-Unis. Quelqu'un va passer par toi, maman. Mémé Kamchoa, il faut laisser. Il faut laisser. Et c'est quelqu'un qui a un dossier comme ça, là. Et c'est lui qui est là qui insulte les gens sur Facebook. Avec moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je vais demander le site. Il est en train de dire que lui, il ne fait plus les classes. Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait. Donc, on va parler de ça. Il prend vos directs. Il dit que regardez comment on parle de moi, qu'on veut, on veut m'assassiner. Vous voyez? Voilà. Mais tout ça, c'est prévisible. C'est vrai. Qui ne sait pas ça? C'est eux qui font semblant. Et toi, a même dit la vérité, là, un temps, là, qu'on peut sortir tout à l'heure, là, hein, que non, j'ai été victime de ça, donc je ne crois même pas à ça, mais elle a encore arrangé sa bouche. Mais Flore est belle. Elle est véridique. Elle a bien dit. Elle a fait un live. Hein? Oh. La majorité des lolomanias sont aussi aux États-Unis. S'ils avaient le mauvais cœur, ils pouvaient coincer sa mère. Surtout que l'autre. Je vais faire le montage pour envoyer là-bas, maman. Tu sais que moi et moi, le mauvais cœur. On fait ça maintenant. On finit avec lui. Hein? Moi, je vais mettre les batteries à marche avec mes connaissances aussi. Maman, il faut laisser. Il faut laisser Mieux comme ça. Aux États-Unis là-bas, on ne fait pas ça. Il va sentir. On va tirer sur lui là-bas. J'ai toujours l'habitude de te dire que dans la vie, c'est chacun qui paye. Dans là, la si je peux faire payer à quelqu'un qui m'a fait, il faut pas porter le temps de Dieu n'est pas le temps. Maman, tout le monde est clash à Facebook, non? Il a dit quoi que les autres n'ont pas encore dit? Tout le monde clash à Facebook. Tout le monde s'insulte à Facebook, mais il ne faut pas mentir sur le nom de quelqu'un. On va faire comment alors, maman? Non, Facebook, hein, comme je dis toujours, c'est le game. Personne ne peut me dire quelque chose sur Facebook, ça me dérange même de dormir la nuit. Parce que je m'en fous de Facebook. Et c'est eux qui parlent de Dieu. Facebook, je me couche, je dors. Parce que Facebook ne paye pas ma maison, ni ne met pas mon carburant. Non? Je crois que tout le tapage qu'on est en train de faire sur Facebook, là, c'est une stratégie. Pour se tenir là, et parce qu'il est en train d'enregistrer tout ce qu'on fait là, et il étudie ça comme pièce à conviction pour son asile.
Il utilise notre tapage, notre babadage pour que ça aille. C'est quand la tabassé au Cameroun là. C'est comme ça là. Il utilise pour dire qu'il est déjà en danger au Maroc parce que sa mort est commandité. On a commandité sa mort. Et il ne va pas dire que parce qu'il est insulté, il va dire que non, parce qu'il est tchèlé. Ce n'est pas mieux qu'on lève la poète. Il est en train d'utiliser tout notre tapage là. Oui. Dorcas, c'est pourquoi moi j'ai dit le matin. Mm-hmm. Tu comprends, hein? J'ai dit le matin que je ne parle plus de cette histoire. Mais c'est que, comme l'autre est encore venu encore avec le truc, comme si elle avait vraiment des preuves, comme si, demande à mes mères. Moi, j'ai dit qu'elle ne parle plus de ça parce que mes parents, ils ne veulent pas donner les voix. Donc, ils n'ont qu'à se manger. Moi, je n'ai rien à foutre. Et que cette fille parte encore, je m'appelle, dit autre chose. Donc, qu'on arrête de nous tourner en bruit, parce qu'à la fin, c'est nous qui allons avoir... Et bois les données. Qu'on arrête. Et c'est vrai, on va demander à Samé de rentrer au Cameroun, hein, parce que le Maroc, ce n'est pas son pays. Hein. On va lui dire que s'il est en danger, non, au Maroc, il rentre dans son pays. Non, il ne peut pas rentrer au Cameroun. Le PD n'a pas au Cameroun. Non, c'est l'immigration. L'immigration aux États-Unis doit lui demander de rentrer. Parce qu'il n'est pas dans son pays. Il va faire la prison au Cameroun. Aux États-Unis, on peut lui demander bien, bien, de rentrer. Et si mes sœurs n'avaient pas les balles, peut-être on peut croire qu'il a les balles, il refuse de donner alors qu'il n'a rien. Non, il a les balles. Dorcas, il a les balles. Hein? Dorcas. Oui. Dorcas. Ok. Il a les balles. Mm-hmm. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai cheminé avec cette fille. Mm-hmm. Tu comprends? Une personne, c'est-à-dire des gens qui me connaissent en vrai. Mm-hmm. Tu comprends? Sur les réseaux sociaux, on connaît. Il y a Cécile Dima. Tu comprends? Il y a elle, cette fille, qui me connaissait avant qu'on ait des problèmes parce qu'on a fait 5 ans de séparation. Ouais. Tu comprends un peu, non? Une fille qui a vécu chez moi. Mm-hmm. Tu es en train de comprendre? Donc, on se connaît jusqu'au nude, jusqu'à tout, jusqu'au secret. C'est une fille qui n'écrit pas. Son truc, c'est les audios. C'est une fille, si elle est avec mm-hmm. toi, comme je suis avec toi là, par derrière, dès que tu tournes seulement le dos, que tu pas fait pipi, elle a cette mm-hmm. maladie-là. Elle parle de toi. Elle fait le ça de ton nom. Allô? Tu comprends? Hein? Et c'est une fille, comme elle ne sait ni lire ni écrire, elle laisse les audios. Et c'est Congo. C'est ça, non, non. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle va écrire le message comment elle fait les voix. Tu as compris, non? Donc, Messan a les voix. Ouais. Tu comprends? Yeah, parce qu'elle ne connaît pas écrire, c'est voice. Vrai. Il a. Et donc, j'ai même écouté un voice qu'on a refusé de m'envoyer à moi. Moi, j'ai écouté un voice. Ungospu dit que comme sa patronne a vous montré qu'elle a trop l'argent, laissez on la mange correctement. Et bien, moi, j'ai écouté le voice là. Et c'est ça qui m'énerve. Tu as écouté ça chez qui? Je me sens. On m'a fait écouter ça dans le téléphone. On a refusé de m'envoyer quand on me connaît. Il va mettre ça sur Facebook. C'est ça. Voilà, Nadège. Qui donne les balles à Nadège? Non, j'ai ça une place. J'ai dit qu'il faut qu'il donne les voix là parce que moi j'ai écouté, il ne veut pas donner. Donc on le supporte pourquoi alors qu'il ne veut pas donner les voix. Maman, pardon, qui part avec ça loin? Mémé, soyons un peu moins rudes dans nos propos. On ne le soutient pas parce qu'on doit vouloir les voix. Moi, je vais dire que je me décline surtout les propos que quelqu'un peut avancer. C'est pour cette raison que les gens ont cru que je suis dans le « aide-moi à détester ». Je n'ai pas besoin de ça pour traiter ma pampesse. Tu comprends? Moi, je dis, je vais droit au but parce que cette fille détruit les vies des gens. C'est trop de victimes. Et elle détruit toujours les gens qui l'ont tendu la main. Elle détruit toujours les gens qui lui ont ouvert leur porte. Moi, c'est ça mon problème. Parce que s'il fallait regarder ça, je n'allais jamais soutenir ça.
Tu comprends un peu? Je n'allais jamais soutenir mes sangs. Donc, j'ai une blessure qui n'est pas encore cicatrisée par rapport à cette fille. Et pour soigner ma blessure, il faut que la vérité déclenche un jour. Mais, comme on dit, le temps de Dieu, comme il parle trop de Dieu, c'est le meilleur temps. On verra là. Un jour, un jour. Et je vous ai dit que mes sangs vont sortir de cette affaire si gagnant. Il va sortir de là gagnant parce que je sais que Gospit aura les problèmes avec Glutatisa là. Ça, ça va même pas tarder. Gospit aura les problèmes avec Glutatisa. Okaz, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Je salue tout le monde. Je veux un peu intervenir pour donner un peu mon analyse sur le problème. Ok, maman. Oui. Le problème de la bastonnade ou bien de la tuerie de Samé, moi, depuis, j'ai dit que c'est une affaire fausse. Comment ils sont en train de fonctionner, c'est mon analyse. Je vais un peu vous éclaircir mon analyse. Okay. Samé dit que mais je ne supporte pas. C'est un frère à moi, je suis Bicoc, mais. Je ne supporte pas trop, mais je voudrais dire quand même que même un assassin a les avocats qui le défendent. Donc, même si tout le monde ne supporte pas mes sangs aujourd'hui, il y aura d'autres qui vont le supporter. Tu as compris? Même un assassin a les avocats pour le défendre. Merci, madame. Donc, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup ont insulté comme lui. Donc, il ne mérite pas la mort. Il n'a pas fait du sale seul sur la toile. On a vu les gens insultés comme lui ici. Mais les gens n'ont pas fait trop de tapage. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? J'ai dit Samé est en train de mettre un fait qui ne dit pas son nom avec Ngosap. Mais Gluta n'est pas dedans. Oui. Vas-y, oui, mais Gluta est hors de ça. Comment ils sont en train de faire? Ils ont mis ce fait parce qu'ils savent qu'ils auront l'argent. Et maintenant, ils sont en combat contre Messan. Gluta est aussi à l'intérieur. Parce que si maintenant, ça me dit que on est en train de vouloir le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà Gluta qui va entrer maintenant en jeu et dit que maintenant, il faut qu'on fasse quoi? Il faut maintenant, comme les gens connaissent ta maison, il faut quitter. Ou il faut même aller prendre l'hôtel. Moi, je vais t'envoyer l'argent, tu peux rester là-bas. Voilà. Mais voilà. Il n'ira pas à l'hôtel, il sera chez lui. Parce que tout s'est fait, c'est avec ses amis, hein? Ce sont ses amis. Ce sont ses amis qui montent le fait avec sa main. Maintenant, alors, puisque Gluta veut combattre Messan, elle sera obligée d'envoyer l'argent pour mettre Messan à l'abri de l'assassinat. Tu vois un peu. Et maintenant, dans la même bande, le gars qui est parti chez Messan, c'est l'ami de sa mère. Il veut encore aller prélever aussi mes sangs pour dire que moi je vais te dire la vérité. Oui. Donc, c'est toujours l'ami de Samé qui est parti chez mes sangs pour interpeller mes sangs que c'est faux. Mais lui aussi veut prélever aussi mes sangs pour dire que moi je vais venir t'éclaircir ce qui se passe. Parce qu'il saura que à la fin, il va dire que je suis en train. Oui, je suis en train de te sortir du problème, mais il faut que tu me mettes la connexion. Tu m'envoies quelque chose. C'est comme ça que le cinéma est en train de se passer. Puisque c'est lui qui est la première personne. C'est lui qui est la première personne. Donc même Messan, on est en train de lui mettre dans le jeu pour le prélever. Parce que le gars là ne peut pas venir comme ça pour dire que moi je vais t'enlever de ce problème sans qu'il ait quelque chose dans la main. Lesquels? Parce que faut. Vous êtes en train de comprendre. Dans le direct, là. Donc, c'est un schéma oui, où ils veulent prélever des deux côtés. Parce que ce sont tous les amis de Messan, les amis de Samé. Ils sont en train de mettre le feu des deux côtés. Moi, je dis que Messan peut être innocent dans cette affaire.
qu'on nous laisse des captures d'écran et tout, tellement et là, maintenant l'informatique est avancée à un tel niveau qu'on peut tout fabriquer. On met sur la place publique. Ça est capable de tout. Les gens qui sont au Maroc, qui ont faim, ils sont capables de tout. C'est les gens même qu'ils disent qu'on doit les séquestrer et ils font des vidéos pour envoyer à leur famille que je suis séquestré, alors que c'est eux-mêmes qui ont monté le coup pour prélever l'argent. Voilà. Donc, il faut avoir peur des gens qui sont dans le beau, qui sont capables de tout. Parce que d'abord, quand la famille les prend là, ça ne les laisse pas. Hein. Il faut chercher les moyens pour pouvoir prélever l'argent aux gens. Et c'est des malhonnêtes, des bandits, les escrocs, qui sont même capables de tuer. Donc, cette affaire-là que vous voyez là, c'est son frère de Facebook, son neveu de Facebook, Samé, et toute cette bande-là qui sont en train de rôder. Oh, Messang, je t'ai dit que ce n'est pas vrai, c'est Lolita et tout ça. Mais Messang n'a pas cité le nom de Lolita ou bien de Nyat, non. C'est toujours le fait de Samé qui introduit le nom de Lolita et le nom de Nyat dans l'affaire. Parce que c'est tout. Ils ont envoyé le gars là. Il faut mettre le nom de Lolita et de Nyat. Ils vont alors comme ça. Hein? Ils veulent tuer Messang. Parce que Messang a fait ceci. Messang a fait ça. Mais personne ne cherche la vérité. Messang a dit que non, moi je n'ai pas suivi l'affaire. Mais c'est mon frère qui a suivi l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais où il habite, je n'habite pas là-bas, mais mon père habite en face de lui. Comprenez que c'est un film que, franchement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre. C'est un film, eux tous se connaissent. Et il avait dit qu'il va faire le direct, non? Et s'il a fait le direct, ce gars, il n'a pas fait le direct, je ne suis pas sûr. Il a fait le direct. Elle dit dans le direct là, madame, excusez-moi, hein, Foko, elle dit dans le direct là que le gars ne fait que dire que, mais est-ce que je n'ai pas l'argent? Je n'ai pas l'argent, mais partez, non, comment tu n'as pas l'argent? Non, c'est les affamés, il veut prélever l'argent. C'est les affamés. Il veut prélever l'argent. C'est les affamés. Le problème, c'est que, hein, madame, c'est que les gens ne comprennent pas. Vous comprenez un peu? C'est qu'il y a un innocent dans cette affaire qui est en train. Pardon, mais j'ai fait un tour de partage. Il n'y a que 14 partages. Faites encore un tour de partage. D'être versé. Partagé dans les groupes. Dans le monde entier. Un innocent. Et c'est qui l'innocent? Bien sûr. C'est Messang. Il a beau être. C'est qui l'a fait? Tout le monde a vu. On a entendu ses audios. Mais c'était de bonne guerre. C'était de bonne gueule. On l'a insulté, voilà. Il a répliqué par son neveu de Facebook. C'était de bonne gueule. C'était de bonne gueule. Maman, vous vouliez qu'il fasse comment? Est-ce que le père d'enfant vous donne sur le lait? Il n'a rien fait de mal. Il a riposté. Il a reçu les balles. Moi, j'ai dit que c'est le game de Facebook. Mais bien. Mais qui a demandé la pardon? Qui est à Facebook? Il a riposté. Si j'ai maintenant ma team, on aura les plans de guerre. Ce sont ses plans de guerre. Personne n'est facile sur Facebook, dis donc. Et maintenant, ça, mais c'est son gagne-pain. Parce que si Messang n'envoyait pas l'argent, il n'allait pas crécher. C'est son gagne-pain, il vit de ça. Il n'y a pas que ça. Il n'a pas que Messang. C'est comme si moi, j'ai dit qu'on doit venir me demander pardon, que moi, me donne le lait. Voilà, ce n'est pas seulement Messang qui lui a envoyé de l'argent pour clasher. Il y a beaucoup de gens qui lui ont envoyé de l'argent pour clasher. C'est son gagne-pain. Il a fait ça pour les gens qui n'ont pas de l'argent. Il a fait ça son gagne-pain. Mais c'est son gagne-pain. Il dit que tu m'as envoyé l'argent pour clasher. Est-ce qu'il est mineur? À plus de 30 ans ou 30 ans, on n'est plus mineur. Ouais, ouais. Il avait besoin de ça parce que c'est son gagne-pain. Parce que s'il veut clasher, il va te demander l'argent. J'ai une amie. Oui. Dorcas, j'ai une amie. Hein. Ce garçon est entré dans son inbox. Tu comprends? Lui dit que j'ai ton.
pas te clasher. Tu vois, ça c'est la chose. NAC. Tu es en train de comprendre. C'est la NAC. Je dis que j'ai une amie. Si ça m'est un dangereux. Jeu, de quoi je parle? Ça m'est un dangereux. Il vit de quoi? Il vit de méta. Vous avez même quoi à faire avec ce genre de personnes? Bloque-le. Mm-hmm. Tu comprends? Ce gars-là. Et c'est cet ami qui est venu me dire qu'il y a un gars qui t'insulte de l'autre côté. Et on a affiché la photo de ton neveu qui est décédé. Je dis rien à foutre. Il est décédé. Que chez eux, il ne décède pas. C'est ça. Mais. C'est le chantage qu'il fait aux gens. C'est le chantage pour dire que j'ai ceci. Mmh. Envoie-moi l'argent comme ça. Il vit de méta. C'est son gagne-pain. Sa mère ne travaille pas, il ne fréquente pas, voilà, il vit de méta. Méta, vous voulez qu'il mange où? C'est sur méta. Quand il a fait un direct, les autres ont beaucoup de choses. Mais ça écrit que vous avez beaucoup de choses, mon œil. Mais versez ce que vous avez. Tu comprends, non? Mais ils ont versé ce que vous avez. Mais ça en va tu sortir vois? Quand il va vouloir. Les gens sont en train de se préparer, il faut qu'ils sortent. Il a dit qu'il se prépare. Il est en train de se préparer. Laissez-lui le temps. On bat le fer quand c'est chaud. Non. Quand ça refroidit, il n'attend pas que ça refroidit. Ça ne peut pas refroidir. Ça ne peut pas refroidir. Il est en train de se préparer. Il est en train de se préparer. On dit que le sang a gentiment 70 ans. Parce que même pardon, il n'a que 70 ans. Arrêtez de donner les âges du monde. Non. Ouais, j'ai dit, on dit que tu aimes trop t'attarder sur les filles du quartier. C'est comment? J'ai dit, on dit que il a gentiment 70 ans. Uh-huh. Tu comprends? Nous tous qui sommes ici, c'est Messang, notre grand-père. Donc, il a ce qu'on appelle Messang est parti à l'école, il est intellectuel. On ne peut pas jouer sur lui. Quand il le regarde, donc, il rit. Il m'a dit un seul mot. Mm-hmm. Aujourd'hui, que vous êtes là, vous êtes sur les voix. Les voix, c'est quoi? Si je vous donne les voix, ça va servir à quoi? Il y a pire que les voix. Même dans 10 ans, je vais sortir. Même dans 100 ans, je vais sortir. Quand les gens sont en train de faire la stratégie de guerre, quand il va sortir, ça va être bon. Quand il t'a dit ça, tu ne l'as pas leur demandé que bon, il va alors qu'on le défende comment? Dorcas. Si Dorcas, est-ce que mes sangas, on doit le défendre? Ouais. Ma Dorcas, est-ce que mes sangas sont placés sur Facebook pour dire que défendez-moi? Non. Et qui se place sur Facebook et dit que défendez-moi? Mais quand on voit que l'autre au sol, on dit qu'on vient aussi le soutenir. C'est comme ça, Facebook. Tu as vu que qui a appelé que venez me défendre? Mais là où il est là, il sait qu'il a besoin qu'on le défende. Quand tu entends, il remercie les gens là. C'est le lait. Non, il a remercié parce qu'il a vu que les gens sont sortis. C'est normal. Ils ont toujours besoin qu'on les soutienne. Oui. Même si Dorcas, il a vu les gens le soutenir. Tu voulais qu'ils disent quoi? Qu'il ignore? Qu'il fait vivre? C'est ça qu'il ignore. Il les a remerciés. Ils ont besoin du soutien. Mais ça a besoin du soutien à l'heure. Il est seul. Dorcas, même toi, tu comprends, hein? À l'heure où tu vas te retrouver dans ce genre de situation, tu vas remercier. Oui, je ne suis pas en train de les juger. Voilà, vous n'avez pas compris mon sens. Laisse un peu que je finisse, Emma. Voilà Natacha de Monaco qui a été insultée par Messang. Tu sais ce que Natacha a fait? Moi, je bavarde. Mais Natacha a fait un petit post et publié le commerce et dit que je vous conseille d'acheter les produits de Star Messang. Malgré tout ce qui s'est passé. Tu es en train de comprendre? Le post là, elle n'est pas dans le bavardage. Mais ça dit long. Tu penses que ne voit pas ça? Mais ça voit tout ça. C'est pour cette raison que je dis, ce n'est pas les gens qui vont demander à Messang de sortir. Moi, c'est ce qu'il m'a prouvé. Il ne parle pas beaucoup. Il parle en deux mots et avec beaucoup de méfiance aussi. Parce que je ne suis pas là. Regarde d'abord ce que son adversaire est en train de faire. Oui. Voilà. Ce sont ses plans. Mais Messang peut se dire que c'est un piège. Mais Messang peut se dire que je suis là pour le aide-moi à détester. Et il a répondu l'autre jour aux gens qui venaient. Il n'est pas dans le aide-moi à détester. Jusqu'aujourd'hui, il veut que tout le monde sache
C'est à peu près quand j'ai eu la guerre avec la fille là. Tout le monde voit et tout le monde l'accuse. Mais quand il va sortir, vous il va croyez sortir de la tête, que un gosse, ça peut faire le poids devant mes sangs. Mais ça sera dévastateur. Tout ce qu'ils font là, c'est la feuille de paille. J'ai dit comme mes enfants, c'est dévastateur. Avec l'éloquence qui va avec, hein, il a le verbe dans sa bouche. Hein. Tata Lolo. Par conséquent, Ngo, ça doit bien se placer. Hein. Ok, attends. Mais maintenant, tu peux descendre pour que je prenne aussi Lolo comme tu es là depuis. Lola, envoie la démarche. Nous, les femmes, nous sommes un peu, on entre en faire le direct. Un homme, je t'ai dit qu'il pas dans la il m'a parlé. La façon qu'il m'a parlé, j'ai vu un grand-père en train de parler à sa petite fille. Ma soeur, pardon, toi aussi, tu peux descendre. Il y a d'autres gens qui ont envoyé les démarches. Oui, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Je ne savais même pas qu'il y avait les gens qui avaient envoyé les démarches. Fais-moi descendre. Tu ne connais pas de ça, maman. Tu entres chez quelqu'un, tu ne connais plus la porte. Moi, attends. Oui, elle a trop d'assurance dans cette affaire. Envoie alors. C'est une imbécile. Tu dis quoi, Tana? Non, je lis un commentaire que on dit que ma grand-mère a trop d'assurance. Je dis oui, parce qu'elle est bête et elle est une bébé de son état. Donc, c'est normal qu'elle ait la sûreté. Et parce qu'elle a les gens qui l'encouragent. Elle a les ennemis de mes sangs qui l'encouragent. Et elle croyait que nous aussi, on devait sortir. Mm-hmm. Tu comprends? Être des moutons. Oui, elle parle. Et la chaîne des sangs, que mes sangs allaient être seuls. Tu n'as pas fait ça, Lolo? Ils sont tellement surpris qu'à tout moment. Je l'ai pas vu, je ne vois pas ta demande. Sors, tu reviens encore. Sors du là, tu redemandes. J'ai relancé, regarde. Donc, j'ai relancé. Tu as lancé dans quoi? Je suis dans Dorkan Jink officiel. Tu as lancé dans quoi? Je ne vois pas de questions. Dieu m'a fait. Il n'y a aucune de tes demandes. Aide-moi des questions. Bloque de ta main. Échange de téléphone. Ok. Échange de téléphone. D'accord, tata Lolo. Oh, maman, l'affaire c'est maman. Si on avait dit à mes sangs que c'est Ngosap qui va lui faire sang, la fille là, on dit qu'elle est électrée, mais elle est dangereuse. Nadège, tu as géré la fille là comment? C'est Dieu qui t'a aidé, ça là pouvait te faire plus pire. Non, c'est parce que tu ne causes pas, tu sais, mes sangs, c'est mes filles. C'est aujourd'hui ou hier que mes sangs a vu que nous, oui, étions sincères. Tu comprends, non? Mais mes sangs se méfiaient même de moi. Mm-hmm. Tu es en train de comprendre un peu. Il a fait un mauvais casting, il est parti, il est parti trouver le démon. Mauvais casting. Voilà. Mais il a dit que plus jamais dans sa vie. Il doit rester. C'est une place avec sa femme et ses enfants. Qu'il arrête tout ce monde-là qu'il met tout autour de sa famille. Lolo, tu as vu le retournement de Mambo, ma maman? Mambo m'a encore retourné sa veste. Non, je n'aime pas parfois elle que j'appelle. J'appelle parce que Lolita a dit qu'elle a prouvé que c'est lui qui a fait l'envoi d'argent. Tu as vu ça? Je n'ai pas moi vu. Elle a dit qu'elle est entrée dans Google. Elle a montré comment que c'est lui qui a fait l'envoi d'argent. Franchement. Mais qui nous a posté, non? Qui poste sur Facebook? Tout le monde fait Google, non? Je dis, Dorcas, n'allons pas trop loin. Le gars qui a appelé dans le direct là pour accuser M. Messang, le gars là, il a un téléphone, non? Oui. Il a son WhatsApp, n'est-ce pas? Bon, je vais faire ma caméra. Si je veux dire que quelqu'un m'a fait du faux, vas-y, je vais ouvrir mon WhatsApp, tu vas voir. Je ne vais pas faire ça avec les captures. Je vais dans mon WhatsApp. Je tape ici. Je vais mettre un nom. Je tape ici en direct. On sait que je communique d'habitude avec toi. Tu comprends? Oui. Je vais mettre le Nadège, papa. Voilà notre conversation avec Nadège, n'est-ce pas? Le nom de Nadège est là. Son nom est là. Voilà Nadège. Voilà sa photo de profil. Je pars maintenant ici pour. En direct, je montre ça en direct, je fais comme ça. En direct, pourquoi tout le monde voit, c'est vrai. Attends, donc, j'affiche le contact, n'est-ce pas?
On voit mon contact avec la personne. Je vais ajouter le reste du courrier demain. Un Dorcas. Oui. Tu comprends? Là, on sait que voilà Lolo qui discute avec elle. Je rentre maintenant ici, là. Je monte maintenant nos conversations. C'est tout. Pourquoi on fait les gars? Tu fais ça en direct Facebook. On montre comment mes sangs a discuté avec les gens là. C'est en ça. Direct Facebook. C'est tout. Pour prouver que tu peux avec un autre téléphone, il appelle. Il cache même son visage. Il montre sa conversation en direct. Il montre le numéro de mes sangs. Voilà avec quelqu'un avec qui j'ai discuté. Les captures, c'est quoi? Dans la capture, là, c'est la même personne qui écrit, c'est la même personne qui répond. Parce que c'est les mêmes écritures, c'est le même français. C'est facile à voir quand quelqu'un manque. Allez lire les captures, là, tu vas voir que la personne écrit de la même manière que la personne qui répond. C'est les captures qui ont été trafiquées. C'est ce garçon qui est venu sur la toile, il a accusé une blogueuse. Pourquoi vous avez peur? Moi, j'ai vu Mambo, j'étais choqué, hein. Mais elle est comme une gamine. Mais ma soeur, tu défends quelqu'un que tu étais accusé. Du camarade en train de montrer la vidéo, on te cache à l'épaule par rapport à ça. Non, mais il s'agit de mort d'homme. Parce que quand tu dis qu'on va faire une bastonnade à quelqu'un, on peut bastonner le gars la meurt. Même avec un coup de pont, tu es quelqu'un. Hein. Pourquoi blaguer ça? Moi, ça me chauffe. Ça a une image des blogueurs camerounais. Que ce gars qui a pleuré, qui rappelle aujourd'hui avec son téléphone, ils ont deux téléphones. Je vais te dire d'abord quelque chose qui est fausse. Quand le gars a appelé, il était en ligne, il dit que c'est le gars de l'Angleterre qui a appelé. Le gars de l'Angleterre, quand tu l'appelais, ils étaient ensemble. Donc, il avait fait conférence d'appel ensemble, on les appelait. Quel montre le téléphone, on a montré que voilà, conférence d'appel. Ils étaient deux sur l'appel, ils n'étaient pas deux sur l'appel, ils étaient sur au même endroit ensemble. C'est au même endroit. Mais comment c'est que tu dis que les captures d'écran là prouvent que c'est le faux? C'est la même personne qui écrit, c'est la même personne qui répond. Si tu veux prouver à Bourgogne que ce qu'il disait est vrai, il appelle avec le téléphone de sa mère. Il met son téléphone en direct. On voit. Il clique sur le nom de Messa. On voit le numéro de Messa. On voit leur échange. L'appel s'arrête. On va voir si c'est Messa qui a vraiment envoyé les gens là. C'est tout. Je n'ai pas envoyé un fonds au Maroc. Mon frère me dit que je suis foiré. Envoie-moi 100 euros. Je l'envoie 100 euros ou 50 euros. Bon, aujourd'hui, envoie l'argent chaque fois au Maroc. Il faut qu'on arrête. Mais comment toi, mon frère, tu es peureuse. C'est les gens là qui t'ont envoyé. J'ai jamais eu pitié de toi. Mais comment une grande blogueuse peut se ridiculiser comme ça? Tu as vu comment la patronne de la fille t'a parlé? Elle t'a parlé comme une gamine. Tu vas me parler comme ça parce que les amitiés, me croyez les amitiés dans Facebook. Une femme célèbre te parle, mais pour celle qui te dit d'abord de baiser l'international, elle dit que pourquoi tu tournes autour? Il faut dire la vérité. Mais les gars t'ont méprisé au point zéro. Alors que tu dis que tu dois l'influencer. Tu dis que c'est ton point zéro. Tu défends tes idées, même s'il y a 100 personnes contre toi, ce gars t'a accusé d'avoir assassiné, je me rappelle de cette histoire. Il a fait le live, il a tué au scandale que tu l'as encerclé dans tout le café. On n'a jamais dit que c'était une abeille. Il a dit que c'était toi. On n'a jamais dit que c'était une abeille. L'affaire a chauffé sur Facebook. Comment on dit que c'est le tour de quelqu'un d'autre? Tu dis que lui, peut-être c'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est faux. L'histoire, là, c'est quand ils m'ont fait l'appel en direct. Qu'est-ce que vous racontez là? Il a envoyé l'argent, il a fait ce qu'il vous racontait là. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous? Que les gens ne font pas vivre, les faux, mais attends, défends tes idées. Défends tes idées. Je vois une fois, je vais demander pardon. Pardon, parfois quoi? C'est ça. C'est bon, tu fais vous. Celui qui a commencé à attaquer, il est attaqué et il se défend. Il se défend. Il se défend. Moi, je ne sais pas pourquoi tu demandes pardon. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui n'a fait quoi que qui n'a pas fait? Mais ça va se passer plus que moi. Donc, le gars du Maroc, là, c'est un menteur international. Un mytho. Il peut détruire un village, brûler un pays. Il ment. Il cherche son dossier d'asile de Tchélé et il veut venir mélanger tous les Camerounais dedans. Il avait sa mère. Je te juge, ça fait ma femme, maman. Je te donne 200 euros gratuits. Mets le direct avec le téléphone du gars là. Tu montres le numéro de mes sangs. Tu fais comme j'ai fait ça avec le téléphone de Nadège Baba. Il ne peut pas. C'est un vilain coup. Il ne peut pas. C'est un tout. Il ne peut pas. Pour toi. Arrêtez de mentir, dis donc. Faites vos faux crèves pour fatiguer les gens. Vous êtes tous des tribalistes. Vous êtes ici une bande boma, peur de vous dire ça, moi je vous dis ça. Vous êtes une bande de tribalistes que vous êtes réunis pour nuire aux blogueuses et babliquées. Parce qu'après Flo, c'était moi. Une blogueuse est restée
passer en direct Facebook, dit qu'elle va vous mettre le poison dans la nourriture. Où est la différence que me, vous dites qu'elle me sera fait? Où est la différence? Quelqu'un va mettre le poison dans mon verre? Il faut pas être faux dans la vie. Hein. Dès la vie, il faut apprendre à dire la vérité. Ce gars ment. Je vous dis que si on va mettre la cagnotte pour lui sur Facebook. Que s'il montre comme il est montré en direct là. Montre en direct, on quitte sur Facebook. On quitte sur l'affaire là. Mais pourquoi on supporte des messages? Mais c'est qui ignore une message, c'est un tribaliste. Qui ignore un message prophète et frère Bassa que d'autres ennemis. Qui ignore ça? Nous le savons tous, s'il me sera porté plein d'affaires à Nadé, je ne vais pas passer parce que Nadé, je ne vais pas être avec les problèmes avec d'autres Bassa. Et ce sont les Bassa là qui l'ont encouragé à les porter plein d'Anadé, je ne vais pas. C'est qu'est-ce que c'est ça? Et quand tu vois mon père dit que Nadé, je ne vais pas aller loin avec les clashs avec mes sangs, puisqu'ils ont parlé de tuer. Tu es parti au tribunal avec la femme joyeuse, non? Vous ne posez pas. Toi-même, tu es parti, la fille que tu as fait, ta copine, elle n'a pas mordu son président d'arrêter au Cameroun, tu es parti payer 2 800 000 francs de caution pour te remettre ton passeport. Vous ne causez pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas regarder pour les autres, vous ne regardez pas pour les autres? Je ne vois pas pour eux. Ngosake a insulté maman Anna jusqu'à dire qu'elle vend le piment. Elle s'est réconciliée avec nous. Mais ça fait mal que Nadège se réconcilie avec Messa. Elle va se réconcilier, piant. Ça m'a fait mal qu'elle dise qu'il a fallu avoir un bon macron dans le direct. Hein. Que, mais elle fait même quoi là? Qu'elle descend du direct dans Zidon. Elle dit que je vais voir si tu tournes, mais elle est venue comme elle a l'enfant. Elle va se faire voir, non? Elle va se faire voir. Qui dans le direct? Tu peux pas faire le direct sur ta page. On t'humilie comme une petite fille. Mais ça m'a choqué. Surtout la guitare, ma soeur, elle se prend pour qui même cette femme là? Il faut pas voir que tu tournes autour, dis la vérité, ma soeur, que. C'est glutabandec, glutabandec, rouge. Tu t'approches d'un blogueur, tu fais n'importe comment un blogueur. Tu es arrivé dans le blogueur quand tu mens. Ça fait 5 ans que tu as commencé l'invitation et tu as sali ma part. C'est moi qui ai commencé à mettre l'invitation dans le marché. Tu as sali ma part de mon invitation que je vendais. Qui t'a parlé? Hein? Maintenant tu dis que mais ça est mauvais. Quand tu pensais gratter les villes avant chez nous, nous étions là. Hein? Quand tu jugeais les quand il a dit qu'on a tué l'envers, tu n'étais pas dans le direct là. Pourquoi il a fait que je ne dis pas ça? Il faut arrêter ça. Hein. Ah oui. Il faut s'asseoir si les blogueurs de Bamleke n'importe comment. Il faut arrêter vos conneries là. Est-ce qu'on voit Lolita que elle aussi est pavane comme une fille qui a perdu le cas? Il a perdu la route de son village. C'est quoi ça? Ta manière de ça. Une bande. Il faut qu'on rentre dans notre village, nous ne sommes pas les Batanga, nous ne sommes pas les Yaoundé. Il faut qu'on parle par nos choses de l'Ouest. Ce n'est pas pour les propos, les mauvais propos. Il faut ficher le conscient. Le type là n'a rien fait. Mais on va le perdre dans cette histoire jusqu'à elle dit qu'elle va porter paix. L'histoire, c'est la concernant en quoi? Dis donc. Ça la concernant en quoi? Avec les Ngoï. C'est quoi ça? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Regarde-moi, c'est l'autre là te parlait, maman. Tu es en train de descendre au niveau, hein. C'est quoi ça? Merde! Et on te chute dans les commentaires. La TK Bangala, la TK vaut rien, la TK zéro. Il veut compter les litiges. On dépose le litige là pour compter maintenant 1000 euros à 39 mois. J'ai quoi? Parce qu'ils ont vu une femme qui vient de se lever. J'ai l'argent, elle a quoi? C'est vraiment Généven Gontama, elle ne peut pas être sûre. Je suis Généven Gontama. Elle a appelé au casier à monétiser sa page. Elle est venue chercher la monétisation de Facebook. Maman, Dieu, comment dit que tu parles? Pourquoi tu tournes autour? Pourquoi tu as peur de parler? Dis, vraiment, je dis que, oh maman, regarde-moi, Goy, que la fille a envie de parler comme un enfant. Mon fou, ramasse la fille sur le direct là-dedans. Ah ben, je suis que nous faisons, nous, on n'y pas, monsieur. Bon, pour nous, je suis une guédie. Moi, en secret, maman, en secret. C'est le lot pipi et ça ne chauffe pas. Eh, vraiment.
Pourquoi la honte de Bamleke? Il est ici là, il aurait été accusé ici. Moi, je viens de dire, mais donc il ment. Pour la confession de ville agressée, c'est un menteur. Il a signé la honte de Bamleke. Elle est dans le live. Si pourquoi tu as la honte de Bamleke, il a dit ça. Comment on dit quand j'ai le jour de mes temps, tu es capable de dire que tu défends, que tu ne peux pas croire ça. Tant qu'il n'y a pas les preuves tangibles, Loïc avait dit qu'elle est partie dans Google. Elle a tapé, moi je ne suis pas envoyé. Mais peut-être à l'époque, moi le gars a demandé de l'argent en naissant. Peut-être qu'il le connaît. Que non, petit peu, tu peux te dépayer même 50. Le premier jour, il avait savoir que c'était 50 euros. Pourquoi c'est 100 euros le lendemain? Il a changé la boucle. Il avait dit le premier jour que c'était 50 euros. Alors il a gagné son premier direct. Où le gars a laissé le voice. Au lieu de dire que 100 euros. Le lit, donc tu travailles à. Tu travailles à mon école. Il a bien dit 50 euros. Jusqu'à tout le monde a dit que pour 50 euros, les gens la peuvent aller. Oh, hier, ils ont dit 100 euros. Je dis, elle donc, madame, change la bouche, comment change la bouche. Elle va nous dire comment elle a fait pour savoir qu'elle prend le numéro de Google, elle part dans Google, elle récupère le nom, la personne qui a envoyé l'argent. Qu'elle nous montre comment elle a fait. Il faut envoyer l'argent, peut-être les gars l'ont dupé. Peut-être les gars l'ont fait pour que nos grands frères envoient nous quelque chose, on va parler à nos petits frères, des putains, mais des putains. Peut-être l'envoyer ça comme ça, l'argent, on est en train de prendre le piège, mais qui nous montre les conversations qu'ils ont envoyées. Je dis que si le gars nous montre les conversations qu'ils ont menées en capture d'écran là, moi je donne 200 euros au gars là cadeau. On met une cagnotte. Qui nous montre ça? Qui va nous montrer que c'est qui dit la vérité? Il nous montre le direct. Il dit que voici le numéro de Dorcas dans WhatsApp. Il montre ça en direct Facebook. Il appelle avec le téléphone de la veste avec son téléphone. Il met comme ça. On regarde en face. Tout le monde voit. Bêtise, vous voyez qui est capturé. Là, si la personne nous même moi, nous allons dénoncer, mais ça. Mais ça est. Tribaliste, mais son préfet, c'est très Bassa que nous. Mais ce n'est pas tout cas. Et quand son frère Bassa est contre lui, il est capable de monter. C'est comme il a fait Nadège, papa. Elle a dépensé beaucoup parce que le groupe des Bassa était contre Nadège. Le groupe était contre elle. Ils étaient un groupe. Mais vous dites qu'on a envoyé, on a envoyé une blogueuse qui a plus de 47 ans. Parlez même de quoi, on envoie qui? Hein? Diepo. De quoi? Les gens n'ont pas montré pourquoi ils ont créé une page Facebook pour t'insulter. Ils n'ont pas créé une page pourquoi ils ont t'insulter sur Facebook. Tu n'as pas donné les voix sur Facebook, insulte là bien. Tu crois que tu es toi intelligent, toi, ok. Oula, franchement, je dis, surtout ta machine, la femme, elle me sort de partout, avec ses airs arrogants là. Elle se prend mes petits, elle a détruit le commerce du fille. Et la fille, elle m'a relancé. La fille des États-Unis là. Donc, à ces objets, ces invitations sont top. Comme ça, moi, je buvais, parce que tu voyais mon teint. Hein. Je buvais ces invitations, c'était bien. La femme s'est venue faire la démonstration. Tu vois une femme qui est machiavélique. Elle achète le produit de quelqu'un. Elle achète comme un client pour aller saboter. Non. Lolo. Oui. Je suis entré pour rectifier. Ngos Pitten est en 72, elle a plus de 50 ans. Mais elle a eu le courage de dire dans un direct avant-hier qu'une petite fille de 43 ans comme elle. Donc en 2000, dans le 17e, quand elle sautait de lit en lit, de lit des hôtels avec les Féman, là, elle est chargée comme le caleçon là. Donc elle avait 20 ans. Une fille qu'on embarquait dans le 17e en 2000 avait une bouteille de whisky et un plat d'elle. Donc elle avait 20 ans. Donc rectifie. C'est à dire qu'elle est née en 72. Elle a fait la CIL avec mes cousins à Mokolo. Mon cousin est né en 1972. C'est lui qui m'a dit que Ngospit a arrêté l'école CE1. Okoué Mate 1. Parce qu'il a fait la CIL avec elle. Non, même Okoué Mate, on lit quand même Béaba, non? Je dis. Oui. Non, c'est donc elle a neige. Nous lançons un défi. Toi, ce gars-là vient avec son défi, fait comme j'ai fait là. Voici mon téléphone ici. Il tape WhatsApp en direct Facebook. On quitte l'affaire là. On appuie. Il fait. Hein? Il tape. Je m'en vais chez Dorcas. Je tape. Voici le numéro de Dorcas ici. Dans mon WhatsApp. Je ne parle pas que je tourne derrière. Il fait ça en live Facebook. Voici. Hein? Voici le numéro. Bon. Je vais mettre ma copie. Si comme on le converse, on n'a pas trop discuté. Voici son numéro. Voici son numéro ici, c'est le numéro de ma copine. Je pars ici, je tape ici, je regarde, je dis afficher le contact, j'affiche le contact, on voit bien son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone est là. Je reviens, je monte maintenant nos conversations, c'est tout. Conversation en direct. En direct Facebook. On quitte l'affaire là. C'est le seul truc
qui va maintenant nous montrer qu'un Messara vraiment fait ça avec son idée. Ils ne veulent pas poster pour que tout le monde ait accès. Ils postent que ce qui les convient. Ils postent que là où on écrit Messara, tout le monde peut fabriquer Messara. Non, tout le monde peut faire ça. Donc, tout le monde peut créer une Messara. Tu vas me faire la même chose maintenant. Ce qu'ils ont fait là, j'écris le numéro de quelqu'un avec la photo de Messara. J'ai fait ça sur mon téléphone. J'ai le téléphone, je peux faire ça devant toi. Je dis que la personne qui a écrit, c'est la personne qui. La personne qui crée écrit ça, sur les captures de grâce, c'est la même personne qui écrit, c'est la même personne qui a répondu. Appelle-vous demain la carte d'entrée pour écrire le nom. Quand tu crées, on te dit que écris le nom que tu veux. Tu écris le nom, non, tu écris mes sens, c'est tout. Mais t'as là, elle a depuis, elle parle, non, t'as pas là, non. Vous aussi, les faux profils, vous fatiguez sur elle, t'as là, pas là. Moi, je suis même allé ailleurs. Maman, voilà quelqu'un qui était, elle, tranquille dans ses clashs avec les gens. Oshiga. Là, voilà maintenant qu'on a sorti une facture impayée avec son nom, Madame Olga Ngale, avec son adresse et tout. On met facture impayée. Les gens aiment les problèmes. C'est les abeilles. Tu sais que les reines m'ont lancé le cash à M. Oshiga. Mais qui n'a pas de facture impayée en France? Mais en fait, ils ont fait comment? Qui n'a pas de facture impayée en France? Elle est... Voilà. Voilà ça qui est là-bas. Elle était chez elle tranquille. Elle faisait ses choses. Voilà ça, voilà son adresse, tout. Elle est dans le 13e arrondissement. Ouais, avec tout son nom. Les gens qu'on fait entrer dans nos maisons. Donc on a rendu son adresse publique. Ah, elle s'est attaquée à la remède de Lélé. Ah, c'est ça. C'est eux là-bas. Donc, c'est eux là-bas. Les papiers payés en France. Maman, même aux États-Unis, on a les factures impayées. Non, mais Lolo, ce n'est pas qui a les factures impayées. Tout le monde a les factures impayées. Mais pourquoi sont toutes... Maman, c'est le clash. Elle a attaqué la reine, mais les délais. Le truc de qui est retrouvé là. Un moment. Non, le truc de qui s'est retrouvé. Oshiga. Je dis à Elisabeth, quand tu sors avec un homme, tu comprends, normalement, en vrai, sa mère, ta mère qui devait stopper ça hier, il devait dire non, par respect pour toi et moi, je ne veux pas que tu prennes la main. Il a laissé qu'on insulte Oshiga dans le live. Et pendant que Oshiga insultait Flore, il était là, il était couché. Hein. Mais Facebook, c'est le game, non? Vous voulez qu'il fasse quoi? Maman, elle ne met pas où avec lui. Elle a rencontré sur Facebook et ils vont finir que sur Facebook. Non, mais l'amour n'a pas de frontières. Il y a des gens qui sont avec toi, ils se sont mariés. Lolo, il y a les gens sur Facebook que si elles te voient, mais je vais attendre seulement que quand le clash va déclencher, tu parles quoi là? Non, tu ne peux pas me dire il y a les gens qui se rencontrent sur Facebook qui se marient, c'est vrai, je te le conseille. Mais ma soeur, il y a des gars sur Facebook que quand ils te draguent, tu dois mettre tes pieds au cou avant de fuir. Ah, maman? Oui. En tout cas, moi, je suis seulement qu'on attend le tour. Parce que moi, je sais que ça va arriver. Ah, surtout quand vous exposez un bon. Maman, on respecte le bonheur. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas faire la différence entre leur vie privée et la vie virtuelle. Ils mélangent tout. Mais c'est ça. Est-ce que les deux là ont une vie? Si Oshiga pouvait retirer sa vie privée de la vie réelle, elle a amené son concept à elle, avec son gars. Oui, même si elle a le concept, j'ai dit quand même, vous avez votre intimité là, secret, que tu ne veux pas que tout soit sur Facebook. Hein. Ça, c'est clair, Lolo, tu acceptes quoi comme ça? Quel concept avait le gars? C'est son mari. La relation, comment tu concept avec ils sont une télé-réalité des couples, non? Mais elle doit quand même, comme ce n'est pas une télé-réalité que c'est un fake vrai, non. Ça, c'est un vrai qu'ils sortent ensemble. Donc maintenant, là, elle doit savoir la télé-réalité qu'elle montre et sa vie privée. C'est important. En tout cas, moi, je dis que si moi, j'ai mon avis à donner, cette fille a une carrière à préserver. Si j'ai mon avis à donner, elle ne devrait pas se mettre en couple avec lui. Moi, c'est mon avis. Maman. Et j'ai mes raisons. Maman, un clasheur reste un clasheur. Tu voulais qu'elle fasse comment? Il paraît que le gars est Dieu en Bernard. Tu voulais qu'elle fasse comment? Dieu en Bernard. Tout le monde est obligé d'avoir le gars, maman.
Non, mais tu regardes pas l'élé. Tout le monde peut pas être l'élé. Il y a que les Camerounais en Bengue d'Ocas. Mais pas on vit dans un pays où il y a toutes les nationalités. Mais on dit que les Blancs, les Camerounaises préfèrent les Africains. Non? Maman, les Africains, il n'y a que les Camerounais. Il y a les Tchadiens, il y a les Maliens, les Sénégalais. Il y a, en tout mais son père, je vais avec un Camerounais, va pas se dire le Camerounais parce qu'il est Camerounais. Ma. Je laisse toi seulement bon pied la route. Et puis, il y a pas de mais moi, je pense que depuis qu'il avait avec lui, il a changé. Il a beaucoup changé depuis qu'il avait fait. Il a changé en quoi, le dodo? Il a beaucoup changé. Moi, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup Oshiga. Moi, je pense que pour sa carrière qu'elle est en train de mener là, c'était pas quelque chose de bien pour lui. Moi, j'ai mes raisons. Hein. Mais depuis qu'elle n'est pas venue sa carrière avec les Camerounais, elle a fait quoi pour sa carrière? Et c'est lui qui va faire quoi pour sa carrière. Elle est en train de faire avec ça permet qu'elle s'est fait connaître. Hein, parce que elle s'est fait connaître. En tout cas, si c'est quelque chose qui peut l'amener loin, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein. C'est pas en tout cas, pour moi, il faut un beau couple. Pour moi. Mais vu, bon, on dit que tous les hommes changent. Vu son passé quand même sur Facebook. Ils font un beau couple, mais ils ne devaient pas laisser que cette fille lui parle. Oui, elle a, oui, c'est vrai quand même. Elle le filme. Mais le voici, je t'insulte, tu vas faire quoi? Même si c'est la télé réalité, moi je me dis quand même qu'il y a un minimum de respect que l'homme doit imposer. Tu sais que aussi, c'est une one-tête. Avec Amé aussi, c'est une one-tête. Dans un couple, il doit avoir une personne qui fout l'autre, qui est calme. Mais les deux, là. Hein. Je crois qu'Amé Kamé, il prend sur lui parce qu'il attend de trouver d'abord sa maison. S'il parle de quoi maintenant, on va le foutre à la porte. Vous savez qu'il n'a plus de maison, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Chiga, tout quoi. Mais la maison avec la peinture jaune qui monte souvent là, ce n'est pas chez lui. Il squatte où chez quelqu'un, c'est sa maison. Il est à Paris maintenant. Le seul endroit qu'il peut dormir à Paris, c'est chez Chiga. Il peut encore dormir chez qui? Hein? Il dormait souvent chez son ami Edgar Minasco. La politique les a séparés. Quand il est à Paris. Le Congo, ça et la politique les a séparés. Donc, la seule personne qui peut lui donner le lit de dormir, c'est Oshiga. Donc, il est obligé de boire Oshiga comme on boit l'eau. Il est obligé de boire Oshiga comme ça à la santé. N'a pas le choix. N'a pas de choix. Merci pour les étoiles, pour la personne qui m'a envoyé les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Il est obligé. C'est ça. Tu vas faire comment? En tout cas, je reste il est devenu gigolo en plein Paris. Il est devenu gigolo. C'est ça. Quand tu es un homme, tu squats chez une femme, tu es gigolo. La femme va te dire n'importe quoi. Et maintenant, c'est l'hiver. Si tout ce qu'il y a, tu as vu là où Oshiga a montré qu'il était couché, non? Elle, depuis qu'il est rentré, il est parti dans la chambre, c'est là-bas qu'il dort. Où c'était les chaises qu'on a? Vous connaissez comment quand Paul est là, tu entends les chaises, comment tu couches tout ça? C'est pour ça qu'il était couché. On est arrivé au niveau là où Amé Kamé, elle a mis Baroko, non? Ce n'est pas mis Baroko vendre ses plantes. Mis Baroko. Ouais. Non, ils vont se marier. Moi, ils forment un beau couple. Hein. Moi, j'aime bien leur couple. Mais s'ils peuvent essayer de dissocier leur vie privée de ce qu'ils montrent sur le virtuel, je crois qu'ils peuvent s'en sortir dans cette relation. Mais s'ils continuent à mélanger tout comme ils sont en train de mélanger, là, ça va, la relation là va prendre un coup. Moi, je parle parce que j'ai beaucoup d'expérience. Hein. Moi, je suis à plus de 22 ans, donc je sais de quoi je parle. Non, ils vont se marier.
Le mariage ne garantit pas que vous allez rester ensemble. Je suis en train de dire. Elle doit faire la part de choses entre sa vie privée et le virtuel. Oh. Mais je ne Elle doit faire la part des choses. Vous savez quoi? Je vais aller me coucher. Je vais aller verser bien l'eau sur moi. Tu es déjà rentré, Yamsoeur. Rentré où, maman? Oui, je t'ai dit, tu es encore au pays. Je suis au pays, non, maman, je viens d'arriver, non. Est-ce que tu es à peu pour rentrer? J'ai au moins 8 mois ici. Ton buzz est à payer. Quel buzz, maman? Yo, te buzz là, non. Avec notre beau. Hé, hey, maman, tu n'étais pas le bon, mais chasse vrai, vrai. Ah, quel buzz, mamie? Oh. Tu vois ta soeur qui appuie sur moi, tu dis que le buzz. Ah. Maman me cherche jusqu'à. Jusque maintenant, surtout sur les œufs. Je marche que sur les œufs. Mon beau-frère là. Vous me voyez calmer ces jours-ci, parce qu'il a voyagé, il est parti passer les fêtes avec ces gens au village. Il m'a dit qu'après les fêtes, il revient. Donc, quand tu es trop sage pour que les choses comme ça t'arrivent, laisse. Ah, maman. Les réalités africaines n'ont rien à voir avec ce qu'on fait sur Facebook, hein, maman. Ah. Parce que si tu n'es pas au stade où tu parlais investi sur un terrain au Cameroun, il n'y a pas ton nom sur les papiers. Voilà, ma grand-mère Lolo, le demande si c'était le buzz. Lolo, c'était le buzz, Lolo. J'appelais souvent Lolo en direct quand ça avait cuit sur moi. Elle connaît. Dorcas. Oui. Il y a des informations que je viens d'avoir. Ah bon, hein? Il a fait l'affaire du Maroc. Ah ah. Le gars du Maroc, là, Samlet, il a ses amis. Le gars qui avait accusé Mamboma de vouloir agresser, qu'elle avait contacté pour agresser la Bessam. Oui. C'est le même gars qui était là hier, qui s'appelle Alex. C'est le même gars. C'est le même scénario. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a monté ces gars-là. Qu'il avait dit à leur patron que les gens ont envoyé l'argent pour qu'on l'agresse. Et que les gars ne peuvent pas l'agresser. Que les gars ont dit que ils ne veulent pas l'agresser. Mais il faut que on donne l'argent qui dépasse l'argent que M. a trouvé. Merde! La patronne a envoyé l'argent. Hein? Il est parti changer l'appartement. Et maintenant, parmi ces gars, il y a un qui est sorti pour lui dire à M. Sankin. Comme tu vois là, l'affaire si qu'on t'a accusé là, c'est un coup monté que nous avons monté. Il nous a demandé de faire ça. Moi, je préfère moi te prévenir. Voilà ce qui s'est passé. Mm-hmm. Tant que les gars ne montent pas le téléphone comme ça, avec des tatus, des grands. C'était dans la pomme, là, on a envoyé l'argent. Il faut qu'on la mange bien, Dorcas. Et on va la manger. Elle est m'entendre qu'elle arrive. On doit la manger. Elle est au courant parce qu'elle a des enregistrements de ce qui s'est passé. C'est ça qu'elle a dit à la femme là que c'est compliqué. De bouffer l'argent parce qu'elle a subi ce que les gars ont dit. Nadège, franchement, dans la vie, il y a des choses qu'on fait. Ben, en tout cas, on dit qu'il y a le karma. J'espère que monsieur me sent. En tout cas, vous allez vraiment essayer de vous ressaisir de certaines choses. Il ne faut pas aimer quelqu'un par rapport à son ennemi. Voici, mais c'est il y a des choses que Mémé n'est pas d'accord avec moi. Je suis assez banganté. C'est pas vrai, par exemple, la de Dorcas, il ne doit pas être d'accord avec moi surtout. Même Raiden vient qui m'a pris, c'est-à-dire le mot qui a un point sur la toile, elle supporte l'autre, moi je supporte. Tu n'as pas mis rien de la tête, on disait qu'on ne soutient pas rêve et tant ta sur ça comme ça là. Hé, maman. Son père que rêve m'a dit, elle dit que ma grâce, tu voulais finir avec moi. Elle dit que rêve, sors dans ça, sors dans ça. Dorcas, voilà Lolo, hein. Le jour où j'ai vu sur Facebook qu'elle a fait la paix avec Flore. J'ai fait les problèmes avec Lolo jusqu'à... J'ai écrit sur Facebook que je suis devenue abeille. Parce que j'avais dit à Lolo que ta paix là ne va aller nulle part. Dis donc, reste dans ton coin.
Est-ce que Dieu ne m'a pas donné raison? Elle sait. Elle est le problème, c'est qu'elle, même si Lolo fait la paix, qu'elle ne mélange jamais sa team. Non, Lolo est bien sur Facebook une place. C'est ça qu'elle dit, non, elle peut faire la paix, mais chacun reste dans son coin. La paix même ne va pas marcher parce que j'ai même intervenu dans un direct. Si Lolo fait la paix avec Flor, Flor va chercher à être au-dessus de Lolo. Lolo ne va pas se laisser faire. Donc, mieux chacun gère sa team et son délire. Yeah. Comment? Si je fais la paix, même Lolo est la piscine internationale. On dit qu'elle en dit piscine, tu dis piscine. Ta part va arriver, c'est toi sur le rapport. On va t'enlever. Elle va bien chop l'enjangui. Papa, si vous voulez la parole, Lolo, si ce n'est que pour la glutathione, il faut qu'on la mange correctement et bien. Elle a dit qu'elle a l'argent, non? Elle arrive partout. Moi, je suis d'accord pour la mange. Je suis d'accord pour la mange. Quand on va poser la facture, elle a pris son sac. Quand tu marches, même entre amis, là, Dorcas, si tu marches avec une amie, tu veux toujours montrer à ton ami là que c'est toi qui as l'argent. Hein. Maman, ton ami là va se reculer derrière, garder sa part d'argent et te laisser payer. C'est bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça s'appelle le complexe de supériorité. Elle est dans un complexe de supériorité. J'allais faire quoi à ton grand frère là? De toi, moi. J'aime mieux le maillot que ton grand frère ici. Lolo, tu sais que. Mais ça n'est. Comme j'ai dit. Amote, mon beau frère. Amote, mon beau frère. J'ai offensé Amote à cause de lui. Amote ne m'avait pas attaqué. Mais il faut te dire. Ah oui. Non, il faut Lolo, tu sais quoi? Même. Avec trop confiance en Gossa. Moi-même, il m'a offensé à cause d'un gosse-pute. Moi, il m'a offensé à cause d'un gosse-pute. Alors que je ne lui avais rien fait. Mais à cause des affaires que ma petite soeur, c'est ma petite soeur, il m'a offensé. Donc, c'est pour ça que j'ai... Moi, il a passé à me parler avec ma amour. Avant toi, passé à me causer déjà à moi depuis. Depuis. Maintenant, on dit qu'on est beau. Maintenant, on est dit que toi-même, tu es un chopper, tu chopes les deux déjà. Toi-même, quand il a forme, il a dit que toi, tu attends le direct de Mangoma. Parce qu'il y aura le diable. Tu as payé 1000 euros. C'est aussi de la raquette aussi. Hein. C'est une façon aussi de raqueter quelqu'un. Parce que pour un direct, un seul direct, tu payes 1000 euros, mon frère. Donc nous sommes nombreux. Quand il essaie de pousser chez moi, mais là, va dire. Lolo, regarde. Hein. On n'est pas sûr que les 1000 euros, là, c'était pour le direct, pour l'audience du direct. Tu sais, hein, jusqu'à présent, mais ça n'a rien dit par rapport à tout ça. La femme, là, Mutatiza, là, aussi, elle est dangereuse plus que Ngossa. Vous dites que le tribunal, même il y a des gens qui ont les poils sur le tribunal, ils ont arrangé, non? Ça m'a mis les. Moi, je suis moins dépassé. Je suis moins dépassé. Je suis fatigué de que le tribunal. Ma mère, les pieds sont baissés sur la toile, maman. Ça va caler sur la tête de gosse. Tout le monde sait que c'est un coup monté, dis donc. Tu vas voir, ça va retourner, ça va caler que sur la tête de Flo. Vous allez voir, vous allez l'attendre. Vous allez me donner raison. Pardon, quand tu as pitié de Flo, Flo, si ce n'est que le côté, elle sait se défendre. Elles vont faire la guerre. Déjà tout à l'heure, l'angostule voulait, elle se fâchait déjà quand Flo est entrée dans le direct. De... Elle clashait déjà Flo. Elle disait voilà. que chacun a son blog, hein. Chacun a son blog, hein. Voilà. Hein? Il faut arrêter ça, hein. Chacun a son blog. Elle va cramponner. Elles vont que se clasher les deux. Faut quoi? Vu sa pomme, elle a couru, elle est partie entrer dans le live. Qu'elle a vu le danger. Elles vont finir que par se clasher. Donc quand on me cherche dans ton direct, c'est quoi? Vous me cherchez pour quoi? Qui te cherche, mamie? Les gens si. Chez ta petite fille, maman, qui te chasse. Pardon, dis-le que tu es chez ta petite fille. Je ne parle pas. Parce que moi, je me laisse les enfants. Vous ne me laissez pas lancer. Ça ne vous laisse pas, c'est elle que ça doit laisser. Vous-même, vous êtes scotché dans les commentaires, elle doit partir. Minami, elle ne parle pas. Je ne le dis pas bien.
J'ai trop bouffé le jangui là, mais c'est bien comme c'est pas dit de l'autre côté. Papa, maintenant, hey. On regarde ceux qui bouffent le japa. On le jangui et on commande. Maman, la tâcheuse, maman. Hé, Lolo, tu as soufflé sur ta mère, maman. Hé, Jomba. Non, tu sors de loin. Hé, Lolo. Est-ce que tu sais qu'on gospite à manger Noël, que c'est la veste des enfants? Compère les cœurs, envoyez les cœurs, pardon, envoyez les cœurs. Hé, Lolo. Il a voyagé. Il attendait Noël pour voyager. Elle laissait Achille qu'elle partait où? Elle va regretter Achille toute sa vie. Achille, c'était son mari. Le seul gars. Elle a déjà porté les chaussures que Achille volait dans le ting pour elle jusqu'à le talon et y a penché. Ha! Elle va regretter. Les femmes sont bêtes. Elle va regretter Achille. Le seul gars qu'elle aimait vraiment, vous savez, Achille. Il a dit qu'il volait était pour, elle. Pour elle. Il volait que pour elle. La mère d'Achille est même en bête. Alors, donc, parce que c'est Achille qui a accepté son handicap. C'est Achille qui écrivait toutes ces choses. C'est Achille qui montait tous ces dossiers. C'est Achille, il connaissait déjà qui il est. Il avait accepté comme ça. On dit souvent que mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Achille était son démon qu'elle connaissait. Il était déjà à clasher. Membre du camp, c'est le mal. Ils sont très forts pour ça. Ils sont très forts pour ça. Mais quand il faut concrétiser, ils sont jamais là. C'est ça. Maman, on dit qu'elle, c'est de l'autre côté aussi, chaud, elle est mastico. Elle est déchaînée. Hein. Elle dit quoi là-bas? Ouais. Bolingo peut faire facilement 10 lives par jour, hein, Lolo. Elle a dit aujourd'hui la colle, aujourd'hui la zéro paix, c'est chaud. Elle est. Moi, pareil, elle est très pourrie, maman. N'oubliez pas notre événement du 31 décembre à Houston, Texas, avec l'artiste Jackie King, au 2703. Les tickets sont disponibles chez Dada Restaurant, chez Michel Restaurant et chez Bantu. Et il y a beaucoup de lots à gagner. Aller massivement avec le serein cercle des amis de Houston, de cercle de quoi, d'entraide et des réflexions des hommes d'affaires de Houston. Sortez massivement, allez vous amuser. Les filles qui sont célibataires là, vous ne connaissez pas le caillou qui tue l'oiseau. Les gars m'ont dit que Dorcas dit aux filles de venir. Il y aura les gars. Et les gars, prêts. Ce n'est pas les vron, les gars prêts. Dans les filles célibataires qui sont Houston, Austin, San Antonio, Dallas, le Texas et ses environs-là. Une seule adresse. Je peux partir, on ne sait jamais. Peut rentrer là-bas. On ne sait jamais, même ici à Mbeng, vous voulez partir, partez. Partez, allez là-bas. Maman, il y a les vrais gars, les Américains prêts. Les gars sont prêts. Maman. Les gars qui sont là-bas, c'est les hommes d'affaires de Houston. Vous savez que Houston, c'est la capitale quoi, économique. Là où il y a l'import-export. L'un des grands États au Texas qui fait dans les points sport, tous les hommes d'affaires, c'est à Houston, Texas. Donc, venez massivement. Venez. Non. Si ils font quoi, on ne met pas son direct ici. Elle nous sait à quoi. On met son direct ici, comment Cindy Force. Le direct de qui? Lui, c'est que Cindy Force pour un bille là-bas. Elle est star. Moi, je ne peux pas. Comment? Qui pour Bolingo? Oh, elle a mis un nom là. Pardon, si c'est d'autres noms. Oh, maman, chacun va mouiller le maillot pour se fabriquer, maman. Si ce n'est pas une star connue là, maman, maman elle me vante maintenant. On m'a bien là-bas à Facebook, j'ai confirmé le code. Ouais. Allez à notre soirée du 31 décembre, Houston, Texas.
Houston, Texas, 31 Texas. Et n'oubliez pas notre brocante ici à Douala, en face ancien congèle Kama Brazzaville. Pour tous les fêtes de fin d'année, si les enfants, allez vous habiller là-bas, les matelas, apprenez à bien dormir sur les bons matelas. N'achetez plus les anciens matelas. Je préfère avoir un bon matelas, même s'il met au sol, que d'avoir un lit d'un million, avoir le matelas que j'aurai les courbatures. Non. Apprenez à acheter des bons matelas où vous dormez, vous vous réveillez bien. Mais il y a les pères qui jettent les matelas au Cameroun, mais tu n'indiques pas les enfants dont vendent les matelas. C'est ça qu'elle dit, non, qu'elle parte là-bas à la brocante, là, qui est à Brazzaville, non, en face, ancien congètre. Vous allez voir Hoti en DVD shop, juste en face, ancien congètre, mais à côté, c'est l'hôtel des amitiés. C'est une très grande brocante. Donc, allez là-bas, il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez pour les fêtes de fin d'année. Partez. Vous n'allez pas être dessus. Allez là-bas. Et n'oubliez pas également notre maison de surprise d'Orcas pour tous vos événements. De surprise, nous sommes là. Vous voulez remettre le cadeau à une amie, vous voulez surprendre une amie, envoyez-nous un parent, un grand-parent, n'importe qui. On est là. Pour tous vos funérailles, nous avons aussi Donald. Oui, nous avons Donald, les beignets à l'école, vous y a servi jusqu'au matin dans vos événements funérailles. Ça peut être n'importe quel événement. Vous verrez les beignets à l'eau bouillie à servir jusqu'au matin. Contactez-nous. Voilà. C'est ça. Bon, le Japon peut être très sucré ce soir, non, Tata Lolo? Jusqu'à. On va faire l'effort de lancer. On va faire l'effort de lancer les Japon comme ça tous les soirs. J'ai un peu déjà convaincu le père ici. Tu vois, non? Il est un peu convaincu là. Donc, avant là, c'était la guerre. Donc, là, dit que, il n'y a pas de problème, il ne veut pas les insultes, que j'insulte les gens en bas de la scène. Tu ne veux pas ça. Oui, maman, et c'est ça alors qui est bon à moi dans le clash jusqu'à quand il te clash bien là jusqu'à moi, mais sans que oui. En tout cas, hein, c'était merci à Nadège Mbappa. Anna! Tu dors déjà? Nadège dort dans les lives. Non, elle ne dort pas. Non, je ne dors pas. Parfois, Nadège reste dans les lives. Tu crois qu'elle est encore là? Alors qu'elle dort déjà jusqu'à ronfler. Non. Mémé, calme-toi. Merci beaucoup d'être passé. Ok, Yamse. Bye bye. Merci. Bisous. Lolo, on va me chasser en mariage ici à cause de toi. Hein, tata Lolo. Bolingo dit quoi même? Bolingo, c'est le réchauffé, non? Elle dit quoi de bon? Bolingo dit quoi? Bolingo, elle est. J'ai dit que quand Bolingo soutient quelqu'un, elle met les organes. Elle dit que ici à Facebook. Elle dit que zéro paix en méta. Maman, où est-elle en train d'insulter? Qui est Michel qu'elle insulte depuis là? Tata Lola, où? Oh, tu n'es pas Michel, Michel est pompé. Il a rien fait, il est innocent. Ah, il est là? Bonne nuit. Elle aussi, elle est partie, tout le monde a été coupé le live, Lolo. Tout le monde a été coupé le live. Bon, on va couper le live. C'est Ducamé qui est en live, il est sur mes en tas comme ça, en tas. Hey! Yannicka, Lolo, vrai, le joke qu'ils sont en train de faire, écoutez-le, est-ce que c'est la voix de mes enfants? Non, attends, je vais t'expliquer. Tu sais, Dorcas, je ne vais pas avoir les points avec toi, n'est-ce pas? Toi et moi, pour ne pas avoir les problèmes. Maintenant, une seule banalité, qui est peut-être au Cameroun, t'appelle pour te calmer, non? Toi, tu dis que, ok, je ne vais pas faire le direct, je vais laisser tomber parce que c'est la famille. Et bien, la personne te rappelle maintenant, la personne te dit que, ouais, là, c'est avec que tu ne vas pas faire le direct. Tu dis que non, comment est-ce que, mais qui monte la suite de la conversation, non? Tu coupes la partie là. C'est dans le film. Oui, coupe juste une partie de une seconde pour manipuler. Pour manipuler. Mais pour manipuler, qui monte, qui le fait? Peut-être, tu enregistres quand il se manque pour une seconde, dis donc. Ah, quand là, c'est des mandats, dis donc, qui nous fiche au camp. Les grands mamans, ils sont déterminés à couler mes sangs. Mais lui aussi, il fait rien de poser les voix, c'est dans mon frère. Après, voilà, à un moment, j'ai.
Hey, tata Lolo, tout le monde a coupé le live. Il n'y a que moi qui reste en ligne. Pardon, allons dormir. Avec le Kouroussa de Amé Kamé. Du Kamé aussi, du Kambino aussi. Du Kambino aussi, ne lâche rien, maman. Maman, il a changé, il a changé, il a changé. Il n'est plus avec les gens. Il dit que maintenant, que la reine des deux micros. Hey, maman, il a retourné sa veste. Est-ce que du Kambino, Dieu dans mauvais rêve? Voilà, Oshigan, tu es une sale fille. Tu es... Hey, Oshigan, boy. Tu abandonnes ta mère à l'hôpital. C'est toi qui as rendu, qui a de la maladie à ta mère. Moi, je n'ai même pas, j'ai géré Oshigan. Laisse-moi dans vos bêtises là d'abord. Il dit qu'il ne parle plus l'affaire des médecins. Qui est-ce que c'est Oshigan? Même après l'appel, là, tu m'insultes tout le jour. C'est ton problème. Si ça peut, ça peut te donner un peu de joie, tant mieux. Est-ce que moi, je dis encore des histoires là? Puis elle a les vidéos de sa femme depuis l'Italie. Donc ils ont les sexes de sa femme. On le menace avec les vidéos de sa femme depuis l'Italie. Il y a Pierre Pascal Ona qui dit qu'on le menace avec les vidéos de sa femme depuis l'Italie. Ah bon? Donc ils ont peut-être les sexes de la femme. Tu sais, donc je vais te dire quelque chose aujourd'hui. J'avais dit ça au papa des jumelles. Là. Moi, je ne suis pas une personne qui ment. Tu comprends? Il y a une fille qui nous avait envoyé les photos du couple là. Ça ne vient pas de l'Italie. Si ça sort, je dirais qui a envoyé ça. Si ça sort, je vais donner le nom de la personne. C'est une personne qui est connue. Hein? Oui, c'est la personne qui m'a pas envoyé ça. Si ça sort, je dirais le nom de la personne. Même Simon de Londres a ça. Hein? Simon de Londres est où depuis? Il se fait rare. Elle était très malade. Hein? Si ça sort, je dirais qu'il a envoyé ça. Ce n'est pas depuis l'Italie. Je dirais qu'il a passé moi-même. J'avais ça. Je ne parle pas. Marco, bonsoir, ma chérie. J'avais ça. J'avais ça. Boutchakitsa, maintenant, Dokas. Eh, que nous mangeons, je me l'ai dit. Yeah, appelé Moulia. Facebook, moi. Ah, tu m'as dit que tu l'as. Je juge sur la tombe ma grand, je dis que je juge sur la tombe ma grand, mais ma mère. Non, non, à vous, les bandes. À vous. Malou, il non. Vous aimez, je vois, il y a peut-être 6 ans. Je vous ai dit. Olembe, j'ai le mugu que là où dit non, tatou de Belgique là, que ça vous une chance de tatou, oui, parce que tatou que t'as envie que de moi. Gagne, que de moi, je l'aime pour vous. Malou, il non, ouais, moi tu vous. Ah, tu m'aimes maintenant, tu as tchabou là. Moi, moi tu l'aimes maintenant, il ne te manque pas. Maintenant, l'emba, il va aller au tcharam, il ne manque pas, il va en dire pourquoi. Mais des gars, allô, ton téléphone, allô. Gars, me tiens attaché. Ah, allô, il vraiment, donc les que tu marches comme ça dans ton téléphone aussi facilement comme ça, allô. Ou bien que tu l'as. Ou bien quoi, mais moi, je puis par les gens. Non, tu me donnes mes balles, non? Non. Papa, tu as ton main à l'eau, j'ai l'air qu'il t'es jamais. Ouais! Si mon mari attend, je vais dire que c'est les balles de Facebook, que c'est les balles. Non, je vais m'en dire. Dans l'autre, les filles de moi, c'est maman. Nous, les cibles. Double Simon Yinju. Comment est-ce que tu vas venir d'attendre? Comment tu as Simon de l'Union au parleur? Donc, bah, vous, là, ma petite, vous, Guy Lolo.
Donc, ça je vois pourquoi, Gruta là, Anya a les yeux manjunga, Anya a les yeux en donc là. Ah. Anya a les yeux manjunga donc là. C'est ça. Moi je suis là, manjunga que non Gruta là, où vous suis mal non égi, où vous suis gilolo. Pendant que le président a monté au Cameroun, maman, le président a monté avec papa et tout, il vient de m'envoyer la vidéo depuis le Hilton. Maman, il va poster. Hey, mon président, les gars de Dicon sont partout. Maman, voilà le papa et tout. Haïa, ça va y aller. Maman, haïa. Maman, ça, c'est grave. Mais je vais rincer mes yeux, non, lumière, Gloria, mais je vais voir pour faire quoi avec. Je vais rincer mes yeux. Il y a quoi? Quand maman m'a envoyé pour Bertrand Chic-Saumon, mais pour Bertrand Chic-Saumon, c'était un petit verre d'été, il n'y avait rien là-bas. Il y a même les vidéos de mes enfants, ne touche pas avec sa femme, et s'il se branle là-bas, ouais. Oui, pardon, laissez comme ça, pardon. Oui, Manjungo. Ouais. Ouais. Mmh. C'est une barcode dit que mieux ça sort, sinon ça va être. William Carrel, ne discute pas. C'est même pas bon de discuter des choses comme ça. C'est même pas bon. Je te dis que c'est une affaire qui s'est passée à la fille qui avait balancé ça. Elle habite à Metz. Et cette fille, c'était une cousine à Simon Delonge. Et si lui suit ce que je dis là, il saura que ce que je dis est la vérité. Et cette fille-là était en contact avec ce monsieur. Où il y a eu quoi, la fille a balancé ça à une fille que je connais. Et la fille que je connais, elle m'a balancé ça. Et quand je retourne, rencontre Simon Delon quelque part dans Paris, pendant que nous on parle, il nous choue le way là. Moi, je dis que mais c'est le même way que j'ai aussi. Et on dit qu'il y avait les vidéos. Donc, tu peux voir comme ça que l'opéra parle pas de l'Italie. C'est pour détourner l'attention des gens. Ça ne vient pas de l'Italie. C'est pour détourner l'attention des gens. Les commanditaires sont en fait là comme ça. Là, on en veut, mais sans qu'il ne sort pas Dieu. Ah, Pascal, les mebous, que va se tomber inbox. Ma maman, c'est ça. Bon, à partir de là, je le laisse à l'autre tranquille. Je comprends. C'est qu'il a raison. Il ne peut pas. Non, il a raison. Il a raison. Sinon, ma boîte. Balancer parce que c'est un chenon mal. Voilà, il subit le chantage déjà. Ouais. Et ça ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. Je ne suis pas terminé. Donc, après un bloc, la fille, je ne suis pas terminé sans salaire dans mon. Tu m'as jamais vu chez moi. Tu m'as vu chez lui. Tu m'as déjà vu chez lui. Toi, Gisèle, ma chère, tu m'as vu chez lui. Je ne suis pas terminé. C'est un ami. Sa femme, c'est une petite soeur. Quand quelqu'un est dans le live, je ne peux pas bloquer. Tu m'as déjà vu chez lui un jour. Tu m'as déjà vu chez lui. Comme il poste souvent, mais je m'en suis posté ces choses. Je ne suis pas à travailler sans salaire. Je ne travaille pas pour les gens. Après, si quelqu'un ne veut pas dire que tu es en travail sans salaire, tu m'as même vu aller laver, j'assais dans sa maison. Tu m'as même vu pas monter, aller chez lui, quitter chez moi, aller chez lui, dormir dans sa maison. Ce sont des amis. Et puis voilà. Comme, tu connais ce qu'il me fait comme service. Tu connais ce qui me rend comme série parce que lui ne parle pas. Parce que lui ne parle pas. Moi, je parle parce qu'il voit ces choses. Il peut arrêter de courir avec des gens. Donc, en amitié, donc tu avais dit demain que Doka, c'est mon. Elle m'a travaillé sans salaire. Non, il n'y a plus d'amitié. Non, demain, tu parles pour lui, tu attends mon CV, même à plus de temps. Que les gens arrivent de dire n'importe quoi. Moi, je suis attaqué, tu vas mettre ta caméra, tu vas me défendre, tu vas pas me laisser au sol. Bien sûr, avant les amitiés étaient comme ça. Moi, je partais chez ma copine, je prépare, je lave les assiettes. Lolo, c'est quelqu'un qui est maniaque jusqu'à qu'elle arrive sur toi, comment faire le mina. Tu n'as rien demandé comment faire le mina. Donc, ça veut dire que tu es au père ou non.
Jésus par peur aux yeux, que j'aime faire des choses avec mon ami et que mon ami est paresseuse, je vais l'aider à faire le ménage. C'est pas que Jésus a peur. Vous parlez même de quoi? Quand elle parle mon amour là-bas chez maman gênée, je ne dois pas faire le ménage chez maman gênée parce qu'on va aller que Jésus a peur. Hein? Vous faites le ménage chez ma marraine, c'est pas que Jésus a peur. Vous parlez même de quoi? Vous aimez trop quoi? C'est juste que c'est. Tu veux quoi? Je vais poster. Est-ce que tu me réponds? Je vais poster. Je poste mes mamans. Que je vais parler même, je parle même quoi avec toi. Comme tu as même dit, les mêmes postes, ça même maintenant. Vous aimez trop connu, mais donc quand tu ne sors pas, tu n'as pas encore vu dans les bars au Cameroun. Tu parles les bars au Cameroun. Tu dis qui va pas les bars et que tu as dit, non, tu as pas vu, j'avais posté non, le 24, tu es au Mundial. Et toi, Mundial, le 24, hein, mon mari et ses amis. On est parti croquer la vie. Maman est là. C'est ça. Et toi, Mundial? Aïe. Oui. Donc, quand je vais là, c'est moi dormi. Bisous à tout le monde. Bisous tata Lolo, prends soin de toi ma jambab chérie. Un gros bisou à lui. Donc quand elle n'aime plus qu'elle fait la thérapie, les gens se sont remis, parlez, je suis remis de Dorcas. Pardon, moi c'est les atalakou là dans ta page. Vous ne nous envoyez même pas des étoiles, vous ne nous envoyez même pas le chocolat de Noël. Me voici, maman. Ils nous offrent seulement que nos macabos, maman. Les Lelomayas nous soutenaient avant. Mettez-en le sang à l'air eux-mêmes. Maman, les Lelomayas, c'est comment, non? Envoyez-nous même l'argent de bon ami, non, mon frère. Hey, les Lelomayas sont devenus durs, hein? Et oui, non, non. Les choses sont dures. Tu sais que la fin d'année, il y a les familles, Lolo, la pression. Maman, les gars, envoyez-la. Mais on vient plus à utiliser mon pôle pour moi, Lolo, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, quand tu. Qui peut faire tap tap aux États-Unis là-bas? Ah bon, hein? On fait ça comment, maman? Il va dire au gars de faire un pot de poumon. Ok, il n'y a pas de problème alors. Ça donne l'argent, Lolo. C'est là-dedans. Ça donne. Ok. Et alors, ouais, qu'est-ce qu'il fasse, non? Il va pour une vidéo. Là. Amen Kamel en direct. Vraiment. Waouh. Amen Kamel en direct. Maman, il veut finir avec mes sangs. Abou que ma femme mes sangs. Les amitiés sont risquées, Lolo. Bon, les Lelomayas sont devenus pauvres, Lolo. Jamais de la vie. Oui, je sais, Zanita Koutet. Zanita Koutet, elle est très généreuse. Elle est de me soigner les Lelomayas qui sont au Cameroun. Beaucoup même. Avant, là, les Lelomayas. Bon, je comprends aussi, Lelomayas, la fin d'année, comme s'il y a trop de responsables. Oui, la fin d'année, c'est trop du bas. Moi, j'ai les familles, tu dois donner tel appel. Ouais, les fêtes, tu dois donner 10 000, 15 000, 20 000. On a bloqué mon téléphone au courant de l'année. Ils nous ont soutenus. Tu comprends, on ne doit pas être ingrat. Ils nous ont soutenus au courant de l'année. Moi, personnellement, ils m'ont soutenu au courant de l'année. Ne me demande pas l'argent. Je travaille où? J'ai un rappel dans mon âme. Qui c'est quoi au Cameroun là? Pour demander tout l'argent aux gens. Pourquoi fatiguer les gens? Pourquoi on a nos problèmes? Charles, que lui, je ne vois pas comme les gens parlent. Tu as aidé qui le sait qui, maman. Tu fais ce que tu peux. Ce n'est pas facile. Mais mon Brand Les Choux n'a pas eu de cadeau de moi cette année. Brand Les Choux. Lolo ne pas me laver. Je vais te dire, papa, hier. Lolo fait le dire, on va t'envoyer les étoiles. Voyez pas d'avocat aussi, nos carrés, mais là, le mari de. Tu as vu le taux de non. Maman, tes enfants, là, beaucoup taux de. Donc, quand vous m'aidez depuis là, vous envoyez les étoiles à Dorcas. Ils disent que non, ils vont envoyer qu'à toi. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils vont le soco, quand ils vont le bon soco, Madoka lance le live. Madoka.
Lance-le. Dans le cas de quand va rentrer les tâches, il n'a pas les femmes. Tu peux y adresser les états, nous avons aussi l'idée des tâches. Tu rentres le camp de Dorcas. Hey, maman. Oh, vron, merci, oh, maman. Vron, vron, a envoyé ma part. Maman, envoie aussi un peu, non. Je bois même la bière avec ça le 31. Maman, il voulait y aller live. Maman, je raccroche quoi? M'assois un peu ici, là. Je peux faire comme ça, il sort même avec mes 10 000 euros comme la blague. Avec mes 10 000 étoiles comme la blague. Maman, elle ne bouge pas. Il y avait les... À un moment là, il y avait les étoiles, Lolo. Tu veux partir comme ça, les gens pompent pour que tu restes. Je dis que les gens avaient seulement que c'était le braquage ou quoi. Ils avaient l'argent qui n'était pas. Flo Numba, elle dit qu'elle travaille maintenant beaucoup. Mais elle n'est plus trop active dans les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle fait quoi? Elle travaille beaucoup. Elle fait d'habitude, elle disparaît après le jeu, elle fait comme ça, chaque fois. Mais sinon, j'ai dit qu'elle est sur Messenger. On lui dit merci, non, elle nous a beaucoup soutenus. Beaucoup, merci. C'était un maillon fort. Elle nous a beaucoup soutenus. On ne peut pas reconnaître ça. Tu comprends, Lolo? Si elle a décidé maman, de prendre. Maman, on veut partir à Dubaï, maman. Mais j'avais oublié ça. Dubaï, maman. Dubaï. Surtout, FM Bombis, là, elle nous a beaucoup soutenus. Beaucoup soutenus. C'est vrai que pour moi, ce qui m'a froissé avec elle, c'est quand la veuve joyeuse est entrée dans mon lit. Je ne sais pas comment elle a pris ça. Ouais, c'est moi. Elle croit que c'est moi qui avais invité la veuve jouer. Ou c'est comment, ou maman. Elle s'est fâchée jusqu'à aujourd'hui. Mais j'apprécie le fait qu'elle a soutenu à un moment donné. Là, elle nous a beaucoup soutenus. C'était un de nos maillons forts avec les Vron Smith, les Talita Cortez, les Carole Bohème. Elles nous ont beaucoup. Carole Bohème. Thérèse Tchamalé aussi. Thérèse, à un moment donné, là. Thérèse Tchamalé m'a envoyé l'argent que maman va chercher un bon téléphone. Le téléphone, c'est qu'elle fait le live, là. C'est Thérèse Tchamalé qui va acheter ça. Même Flo London aussi, elle donne beaucoup. Il y a aussi un Oui, voilà une personne qui te soutient beaucoup. Moi, je n'ai pas la chance avec Flo London, là. Je ne crois pas qu'elle m'a déjà envoyé quelque chose, mais je sais qu'elle te soutient beaucoup. Ceci, Pascal Bella aussi me soutient beaucoup. Oui. Il y a un jour, même le 31, pour dire merci à tous ces soutiens-là. À la fin de l'année, on doit les dire. Important. On doit faire la. Je ne vais pas oublier le nom. Les filles, elles ont été très généreuses. Ma femme n'est pas monétisée, mais c'est comme si ma femme était monétisée avec ce qu'elle me donnait là. Vraiment, c'était un grand soutien. Très grand soutien. Oh, surtout Dubaï. Hein. Voilà. Moi, mais c'est eux qui faisaient même que chaque fin du monde avait quelque chose. C'était eux là. Toi, ni moi, personne n'était. Est-ce que ça ne fait pas un mois comme j'ai eu la monétisation? Ça fait un mois. Monétisation là. C'était bloqué pendant combien de temps? Tout le temps que j'étais aux États-Unis, près de combien de mois? 8 mois là, même avant que je ne parte. J'ai fait au Cameroun ici 8 mois, ils ont coupé là, ils m'ont bloqué, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait près de 6 mois. On verrait de monétiser, ça ne fait pas une semaine, non? Comment on va donner le live? Comment on donner la publicité? On va débloquer ma page. Hey. Donc, ça a duré, ça fait plus d'un an, hein? Plus d'un an. Les gens là, on était dans le framponnement grave. Tu vois, à un moment donné, là, quand j'étais déjà en train de vouloir remonétiser, je disais aux gens que coder, même si c'était au fait, je codais. Et puis, j'ai arrêté de partager tout ce qui est musique. Je n'ai pas. Tout ce qui est musique. Tu fais pour t'arrêter ton visage, tu te mets en cachet. J'ai mis mon visage, maman. Dès que je mettais mon visage comme ça, pam! Dès que je mettais mon visage comme ça, c'était fort. Si j'ai mon visage comme ça, là, il bloquait le live. On m'a bloqué mes quatre pages. Jusqu'à tu étais obligé de me prêter ta page. J'ai fait le live sur ta page 2 mois avec les lunettes. Tu te rappelles, non? Je vais mettre en lunettes des casquettes comme une bagando. Parce que si j'ai monté mon visage comme ça, parce que vous bloquez. En tout cas, merci beaucoup pour voir le voyage de Dubaï. Là. C'était un très beau voyage. Je vous montre. Ça m'a fait découvrir autre chose, hein, Dubaï. Merci. Mais bah, c'est une...
les étoiles, hein, Lolo. Elle a un direct. Lolo, ça m'a fait un direct. Merci, Sylvio. C'est Sylvie Mbakob, non? Merci, maman. Eh, maman. Sylvie Mbakob, merci, maman. Merci, oh, vron, vron, merci. Merci, maman. Voilà mes gens qui me soutiennent aussi, les Sylvie Mbakob. Si je veux faire un live spécial pour vous dire merci. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas me rappeler de tous les noms, mais je vais dire merci. Pour une, cette année qu'on allait en guerre, vous avez été avec nous. Hein, Lolo, la guerre qu'on a fait cette année, maman. Si il n'était pas là, on ne pouvait pas s'en sortir parce que tu étais encerclé. Nous, ils étaient dans les commentaires, ils faisaient le travail, nous, on lançait les lives. Donc, on va leur dire merci. Ils soutenaient financièrement, ils soutenaient aussi dans les commentaires. On ne peut que vous dire merci. Alors, le merci là, on va dire qu'on va vous donner quoi, non? C'est le virtuel. On va dire qu'on va vous donner quoi, même les gens. Mmh. J'aime quand quelqu'un me fait du bien en retour, je donne même quelque chose. Mais vous êtes tellement nombreux que, si ce n'est pas seulement merci et vous envoyez les ondes positives, vous donnez les bénédictions de tous vos enfants. Et que l'année 2024 soit un succès total pour vous. Donc, on va faire le live peut-être le 31 décembre pour vous dire merci à tous. C'est ça, non, Tata Lolo? Oui, oui. Oui, on va faire le live le 31 décembre pour dire merci à tout le monde. C'est ça. Merci aussi, Dorka, tu avais bien soutenu. Merci, Talita Koutez. Eh non, c'était fort quand même, Talita. C'était fort. Eh, c'était fort. C'était fort. L'année, c'est là. Lolo, si tu es sorti, si tu vois 2024, il faut ouvrir une bouteille de champagne, Lolo. Lolo, tu vas aller à l'église le 31. Il fallait dire merci à Dieu. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? How are you? Are you okay? C'est ta petite fille qui s'est appris de rêve, non? Oui, oui. Elle sort de l'Allemagne. Oui, oui. Are you okay, sweetheart? Hi. Oui, oui. Hi. 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 Ils comprennent bien l'anglais, non, les Allemands, là. Mais elle comprend. Elle comprend. Elle dit bye. Elle dit bye, maman. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Et ça, on est venu chauffer la maison, non, Tata Lolo. C'est bien, maman. C'est bien. Non, non, moi, quand elle va partir, ça va faire un des petits. Je demande. Elle m'a vraiment mis l'ambiance dans la maison. La foutue, elle m'a mis l'ambiance, je te dis. Elle ne dérange pas. Elle ne dérange pas. Elle ne dérange pas. Bélin, Bélin, messieurs. Voilà les vatanguins des États-Unis. Bélin, Bélin. Ouh, vous avez mouillé le maillot 2023. Bélin, Bélin, merci. Hein? Bélin, Bélin dit qu'elle est bloquée. J'ai moi jamais bloqué. Elle a fouillé son profil. Là, c'est ma personne. Ce sont mes vatanguins là-bas, mes généraux. Moi, les États-Unis, moi. J'ai pris 2 heures pour fouiller son profil dans le quai, mais Belin, il est bloqué même de quel côté. Et t'as bloqué dans quelle page, Belin? J'ai déjà fouillé ça dans l'autre TV, n'est pas mon vieux. Ou c'était un autre nom. Maman, la fête de naissance, pardon, il faut que ça s'arrête. On dort. Nadège Michou dit que ton rêve, son rêve, c'est de te voir voyager pour les États-Unis et au Canada. Les États-Unis, c'est en 2025. Ça va aller. À chaque chose, son temps, ça va aller. C'est clair. C'est qu'il suffit que Inch'Allah, elle va venir, Inch'Allah. À chaque chose, son temps. Ma lune de miel, ma lune de noces, ça sera aux États-Unis. À USA. Tu vas partir sur les... Ou en Californie.
C'est beau, non? Tu peux écrire ton nom sur les étoiles, au boulevard des étoiles. On va venir à Houston, là-bas, chez toi. Houston, Texas, oui. Oh, Houston, c'est une très belle ville. Très, très belle ville. Très belle ville, même. Oui. Maintenant, là, mes enfants ont pris une maison plus grande, maintenant. Bien grande. Elles ont beaucoup, elles ont bien l'espace, maintenant. On va faire un bien. Hein, maman? On dit que Mambo m'a dit, maman pauvre, elle dit que quoi? Elle dit quoi? Attends. Mambo m'a dit, elle dit quoi? Elle mange tout la bouche. Oh, dis donc, c'est la honte qui est en train de l'animer, dis donc. Allô, Ney, c'est la honte. Eh ben, moi, je ne la vois pas en direct. La honte. Elle va dire quoi de bon? Qu'elle en direct, qu'elle dit quoi? Ton ami Warissa en direct, Lolo. Je ne le connais pas. Hey, hey. Tu veux dire, il y a tes amis, maman. Tu vas sauf que le connaître. Parce que ton ami, tu sais qu'il m'amuse beaucoup, Lolo, avec ses cabas qu'il porte là. Maman, Balata, Balata, c'est son mot de Balata là, quelqu'un ne sait pas mourir de rire. Il est trop intéressant, ton ami là. Il dit que tout le monde clash à Facebook. Au nom de quoi Dorcas va aller porter plainte? Hein? Tout le monde est clash à Facebook. Je soutiens Papi Hoha avec son kabatou, son kabasulu. Voilà ton ami intime, Lolo, avec le kaba. Non, je le connais pas, maman. Ami de Lolo. Maman, tes amis qui retournent les vestes tous les jours, là. Balata. Parmi tous les bandes, là, la seule personne que parfois je suis, c'est Balata. Je me mets à la fenêtre, je suis ces choses, ça m'amuse et rire. Parmi toutes les bandes, là. Il est très amusant. Je parle du piment. Il est passé à Stockholm. À Stockholm. C'est ça. Parce que j'ai une amie qui est nigériane. Il me fait beaucoup marrer, en tout cas. Il me fait beaucoup marrer. Là, parmi toutes les bandes, là, la seule personne que moi, je suis Balata parfois. Quand je m'ennuie et que je veux vraiment parfois rire. Quand elle met, voit son... Hein? Je ne connais pas. Voilà ce que Gloria lui a dit. Donc, la fille, si elle est radicale, maman. Et tu la connais pas, c'est ton pote, laisse-nous ça. C'est ton pote Hoha. J'ai compris. C'est ton pote. La fille qu'on appelle, on l'appelle comment? Tarika Kouté n'est même pas trop radical. La personne qui est radicale, là, c'est Vronvo sur la fête de Mambo, mais elle est radicale. Gloria Louise, elle est radicale sur tout. Oh, yeah, maman. Non, pour ta fille, Gloria Louise, là, parfois, elle déborde les limites, ça m'énerve. Pour elle, là, c'est comme si elle dit ce que tu vas faire. Non. Adengate, Mbouyini, là. Elle dicte les lois. Elle dit que tu vas faire comme ça. Oh, vraiment. Non. Et c'est un enfant, hein, ma. On dit que c'est un grave là-bas. Elle m'a envoyé sa photo une fois. C'est un enfant, c'est une petite fille, une belle petite fille. Je te dis, mais tu vois. Hein? Maman, elle impose. Non, non, non. Maman, hey. C'est quoi? Fait... Non, j'ai pas la ramanine pour ça. Elle... Même Choupi, t'as la même. Non, mais Choupi, t'es quand même plus douce. Non, la plus radicale, c'est qui là? La plus radicale, c'est Louise Blouret. Qui ne connaît pas? Il y a parfois mes alliés, mes gens de ma team là, ils me disent que celle de Lolita, qui là? Louise Gloria là, elle se prend pour qui? Elle impose les choses, elle veut qu'on fasse tout ce qu'elle veut. Je dis que pardon, c'est le général de Tata Lolo, laissez-les là-bas gérer les choses. Non, elle est radicale. Parfois, je suis plus la bébé, non, Choupite, la bébé ne dérange pas. La fille, que... ouais, je dis que. Non, Choupite, elle est très calme. C'est Gloria. Non, 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 non. Non. Hey! Même si elle on dit qu'elle ne veut pas te faire, elle ne veut pas te faire, tu peux donner la personne. Elle peut te briser. Elle va te donner les étoiles. Elle dit que tu me le donnes, maman. Maman, on m'a raconté quoi. Elle n'est pas là. Je suis allée dans sa page, non. Elle est en live. Moi, je suis dans ça. Elle enlève avec quelle page alors? Demande-le qu'elle a avec quelle page.
Moi, je ne la vois pas en live. Elle n'est pas en live. Non, non, voici sa page. Je suis dans sa page comme ça. PD, la team PDG. Non. Oh oui, elle a. Oh, oh, elle dit quoi, elle a... Non, nous n'avons des connaissances. D'ailleurs, toi, tu as une connaissance. Comment, à qui que ce soit maintenant? Hey, tata, on va dormir, maman. Je suis un homme de paix. Je peux te le dire, tu es pas. Lolo, je coupe, je relance, pardon. L'autre, ça, il y a comme un bâtiment de temps. Hein? 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 Hey, la fin a pris notre tournure. Attendez, coupe, je relance.